foule extraordinaire. Voici l'arbitre du match de ce soir, Terry Gregson. Ses adjoints Wayne Bunny et Race Capinello seront les juges de ligne. Kenny Rudy va participer à un 20e match de haute. Sa moyenne est à 3,50. 10 victoires, 9 défaites. Moyenne d'efficacité à 8,88. On le voit ici, son réchauffement. Patrick Roy lui fait face, 20e match également. Moyenne excellente à 2,19. 15 victoires, 4 défaites seulement. Moyenne d'efficacité, 928. Cette première mise en jeu vous est présentée par M. Moffler qui vous dit « Roulez tranquille ». Chez M. Moffler, on a la solution. Première mise en jeu gagnée par le Canadien. Rondelle poussée jusqu'à Schneider qui la remet en zone neutre. McSorley la rabat chez le tricolore. Prise par la vedette Leclerc qui lance sur l'autre ligne bleue. C'est couvré là par Hardy. Hardy renvoie le tout en zone neutre. C'est repoussé avec le patin par Kirk Muller. Voilà, un premier joueur à bien contrôler la rondelle, c'est McSorley. Un relais vers Reichel du côté droit pour Conacher. Conacher applique les freins. Il lance vers Roy qui n'a pu immobiliser le disque qui a sauté près de sa mitaine. Un faux bon, mais du bon côté. Si on a sorti les vedettes d'Hollywood, les Pfeiffer et compagnie, Gilles, il y en a 17 000 vedettes ici dans le forum ce soir pour encourager le Canadien. La mer s'est emporté un changement de l'autre. On sait que Donald Dufresne remplace Kevin Hodder. On veut lui permettre de graver son nom sur la Coupe Stanley parce qu'il y a un règlement qui dit qu'il faut avoir joué au moins un match de finale. Et pour Barry Melrose, l'autre a été remplacé par le défenseur Charlie Hardy qui revient. L'expérience. C'est Gilles, il y a un joueur dans l'histoire qui, en 1950, a joué un match dans toute sa carrière et il a son nom gravé sur la Coupe Stanley en 1950. Doug McKay avec les Red Wings de Détroit. Quand on passe à Dave Taylor qui en est à sa 16e saison, qui n'a jamais inscrit son nom sur la Coupe Stanley et pourrait avoir l'occasion lui coulant des doigts. Voilà Gretzky. Ça passe devant et Granato qui se fait voler un but par Roy. Contre-attaque de Guy Carbonneau. Une passe qui est allée à Roden, mais une passe suicide. Jitnik est venu le mettre en échec. Nancy Brise voit de loin, il lance en territoire des Kings. Rondelle qui longe la rampe. Carbonneau récupère la pointe plus loin, mais Granato lui a barré la route. Là, c'est Blake dans le coin, pousse le disque plus loin. Et il est mis en échec par Ronan, qui permet à Brunet de tenter de récupérer. Blake le rejoint et le plaque à nouveau. Carbonneau reprend. Et je vous jure qu'on n'y va pas de même mort sur Carbonneau. Voici Jitnik sur Granato. Une passe qui a été interceptée. En voilà une autre prise par Gretzky. Du centre, il renvoie le Canadien chez lui pour permettre à Melrose d'effectuer des changements. Là, c'est Brunet dans le coin, chez lui, le long de la rampe avec Sandstrom. Celui à qui Patrick Roy a fait un beau clin d'œil lors du dernier match. Et quel arrêt de la part de Roy, Claude contre Granato. Oh! Un jeu très bien préparé par Wayne Gretzky, que l'on voit à l'écran, qui, lui, dans cette série, a obtenu 2 buts, 5 mentions d'assistance pour 7 points. On va surveiller ce jeu bien préparé par Gretzky. La feinte de contourner le filet, la passe à Granato qui est à une 15aine de pieds, et Roy résiste sur un lancer bas. On va revoir ici d'un angle différent la passe arrière et l'exécution. La descente de Roy, le papillon rapide, Claude, oui. Bon synchronisme, et bien privé Gretzky d'une mention d'assistance et un but à Granato. Granato qui a participé aux 6, au pointage des 6 dernières rencontres. C'est vrai. Celui qui a la meilleure fiche jusqu'à maintenant. Et les joueurs des deux formations. La meilleure séquence, hein? Meilleure séquence. Un tir seulement depuis le début du match, celui de Granato. Voilà, Robitaille derrière le but. Veut remettre devant pour Chouchot. Desjardins fait de l'excellent travail et passe à Danfous. Relais du côté droit pour Dufresne. Dufresne vers Danfous, c'est hors de portée. Là, c'est Huddy qui s'en va à la poursuite du disque. Il est mis en échec. Là, une rondelle que Lebeau tente de récupérer et de la renvoyer vers Danfous qui s'est démarqué dans le cercle de mise en jeu. Mais on est 4 dans cette enfilade. Sedor se fait ravir le disque par Keane. On l'accroche. Le tir qui a été bloqué, on laisse passer. Encore une belle infraction, là. Voici Charlie Huddy. Mais elles seront nombreuses des deux côtés, les infractions qu'on va laisser passer. Voilà, Robitaille. Un lancer bloqué par Wao. Il tente de balayer la façade de son but. La rondelle était dans les airs. N'a pas touché au disque à la volée. Voici Keane du côté gauche. Keane lance dans le fond de la zone des Kings. C'est pris par Huddy qui passe ici à Hardy. 0-0 avec 17 minutes 40 à jouer en première période. Pour Granato. Granato se défait de Dion. Il passe devant et Darwin n'a pu faire dévier. Voilà Hardy qui reprend. Hardy vers Granato. Devant maintenant pour Carson qui a fendu l'air. Dion pivote et passe à Lehman. Lehman conserve, arrive à la ligne bleue adverse. Il lance, mais le tir est dévié par Hardy. Rondelle qui appartient à Di Pietro, il passe à Dion.
Dionne jusqu'à la ligne bleue à Hoadline. Un lancer faible bloqué par Rudy. Rondelle qui revient à Lehman. Il veut remettre devant le but. La rondelle touche l'extérieur du filet. Là, c'est repris par Dionne derrière le but. Dionne rejoint par McSorley. Il passe jusqu'à Hoadline. Hoadline à Dionne. Dionne patinait à reculons. Il n'a pu contrôler le disque. Il le reprend dans le coin, mais après avoir attiré deux hommes, on réussit à remettre devant le but. Mais le disque revient jusqu'à Granato. Pour Carson, maintenant pour Donnelly. Donnelly s'arrête en rapprochant le Canadien. Il est rejoint par Hoadline. Il passe à Carson. Jimmy Carson lance derrière le filet de droite. Il n'a pas dans le coin pour empêcher Sandstrom de contrôler. Voilà un dégagement de Dionne qui sera vraisemblablement fusé au Canadien. Voilà, lorsque Jitnik touche à la rondelle. Elias Claude, Barry Melrose veut servir de toute son offensive. Tu te souviens, lorsqu'il a remis Carson dans l'alignement à Los Angeles, oui. Il a utilisé qu'à mi-chemin en première période et peut-être un peu plus tard, en troisième. À 3 minutes et 20 secondes d'écoulée, Carson a déjà été sur la patinoire. Alors, il annonce ses couleurs. Voici Ronan de loin. Il lance en zone baking. C'est pour Carbonneau sur le flanc opposé. Carbonneau reprend la rondelle plus loin pour lui-même. Elle touche Huddy. Carbonneau reprend son bâton, veut retrouver la rondelle, mais il n'y arrive pas là. Il manque un peu de synchronisme. Rico maintenant est contré par Daigneault. Daigneault qui joue du hockey vraiment inspiré. Rondelle qui tombe sous Rico avec la main tente une passe, mais elle est interceptée. Ça annule leur jeu puisque c'était en zone offensive. Voici Roman. Une passe à Brunet. Brunet vers Roman, mais il a raté le ricochet. Rondelle qui revient à Brisebois. Le tir qui est bloqué par Kelly Rudy. Rondelle qui revient ensuite à Brisebois. La passe pour Roman devant le but. Mise en échec par Charlie Huddy avec un coup de poing à la tête. Rondelle qui revient vers Carbonneau. Il n'a plus la capter avec la main. Daigneault du centre arrive devant Gretzky. Il lance plus loin en zone des Kings. Et c'est Rico qui récupère. De là, il lance à la ligne bleue du Canadien. C'est pris par Daigneault qui a reculé chez lui. Rejoint par Corey Millen. Il passe à Lyle Hoadline. Et voilà une passe qui tombe chez les spectateurs. Il a passé par-dessus la baie vitrée. 0 à 0 toujours. Voilà la vedette des deux derniers matchs. Une nouvelle temps pour laquelle Claude, il a si bien fait avec l'accrochage et mise en échec. La robustesse le long des rampes. On a besoin d'un John Leclerc à plus de 200 livres et 6 pieds 2 pouces pour faire le jeu. Et à noter que ces deux buts gagnants, ont été enregistrés avec des buts à courte distance. Il a travaillé contre la robustesse et la force pour entrer. Tellement inspiré qu'on ne rentre même pas au vestiaire, Gilles, pour réparer une pièce d'équipement ou encore du ruban gommé. On s'assied sur une caisse vite dans le corridor pour, bien sûr, surveiller ce qui se passe du coin de l'œil. Éric Desjardins, qu'on a vu. Voici Conacher, seul dans l'enclave. Il est rejoint par... pénalité d'annoncer à Schneider. L'obstruction, on a retenu contre filet. La défensive était divisée, Claude. C'est Kirk Muller qui est plus en défaut, finalement. Schneider était là également. On travaillait en désavantage devant le filet. La passe était mal réussie, mais déjà, une infraction avait été commise à 4 minutes et 35 secondes. Bel et bien Schneider, Gilles, on avait Schneider. Bien vu. Il a pointé Muller, mais Schneider a été pris en défaut. Alors, on va revoir Conacher. On va revoir la séquence devant le filet. Numéro 27, Mathieu Schneider. Oh, il a deux minutes pour avoir fait un déchet. 5 secondes dans l'infraction. Depuis le début des séries, eh bien, 3 buts en 22 tentatives pour les Kings de Los Angeles. 13,6% moyenne d'efficacité. On reprend à la gauche du filet de Patrick Roy. On sait que l'équipe qui a marqué le premier but dans chacun des matchs de cette série a gagné la rencontre. Voyons voir ce soir. Éric Desjardins. Desjardins le long de la rampe aux prises avec Robitaille. Une passe vers Gretzky. Une autre de Sedor vers McSorley, mais elle était dans les airs et McSorley n'a plus la capter. Il demande au gardien Rudy de la lui refiler aussitôt. Il attire Kirk Muller derrière lui. Aramis jusqu'à Sandstrom. Il perd la rondelle recouvrée par Robitaille qui la remet à Sandstrom. Robitaille a été plaqué par Muller. Gretzky maintenant s'en va dans le coin. Il veut remettre devant, il n'y arrive pas. Desjardins mais en échec. Voilà Sandstrom. Sandstrom le long de la rampe. Une passe pour McSorley qui la lui remet. Sandstrom dans le cercle de mise en jeu à la gauche de Roy, tente de faire une passe, revient sur sa décision, conserve et passe à Gretzky sur un jeu croisé. Gretzky va mieux contrôler la rondelle. Il passe à McSorley, le tir qui a raté la cible. Rondelle qui revient à Sandstrom dans le coin, il passe à Gretzky derrière le but. Gretzky devant et la rondelle qui est tombée à la gauche de Roy. Oh, c'est venu proche. Voici McSorley. McSorley au centre. De loin, il entre le disque chez le Canadien. La rondelle qui longe la rampe maintenant est prise par Carbonneau et il n'a plus la sortir de chez lui, il n'a plus touché à la rondelle même. Là, c'est McSorley, un autre lancé qui a été bloqué par Carbonneau. Voilà Kirk Muller qui va devant l'ouverture et lance. Il reste 47 secondes à la pénalité que purge Mathieu Schneider. C'est toujours 0 à 0.
McSorley, 40 secondes d'avantage numérique. C'est de la rondelle à Donnelly. Donnelly jusqu'à Yari Kouri. On entend les gui-gui-gui scandés par le spectateur pour encourager Carbonneau. Voilà Donnelly en retrait, une passe pour Blake. Du côté de Jitnik dans la gauche. Un tir qui finit sur un bâton et tente chez les spectateurs. Voilà de précieuses secondes écoulées. Il reste 27 secondes à la pénalité du numéro 27. Excellent travail défensif jusqu'à maintenant. Claude, on a tenté le premier tir en direction des buts à 44 secondes. Et le deuxième tir à 1 minute 7. Alors, ça donne une idée de la qualité du jeu défensif du Canadien. 27 secondes seulement à la pénalité. Serait la mise en échec de Kurt Muller sur Luc Robitaille, j'ai l'aussi. Centre de l'écran. Oh, très solide après la passe. C'est pas soucié du jeu complet de Kurt Muller. Et la dernière chance des Kings, une rondelle a été passée en diagonale. Et la rondelle a été ratée devant le filet. Une rondelle sautillante. Rondelle chaude, M. Gendel. Oh oui. C'est Robitaille qui était là. Robitaille, deux des trois buts marqués par sa formation depuis le début de la série finale. Deux buts à l'avantage numérique. McSorley à l'autre. Ici même au forum, tu viens. Oui, le premier match. Oui, premier match. Voici Alexei Jitnik. 16 secondes encore à l'avantage numérique. Brunet fait perdre la rondelle à Jitnik. Tente une passe que Kurt Muller est plus près de voler à Blake. Voilà Blake. Une passe pour Granato. Granato pour Blake, mais il était rendu derrière le filet. C'est Deniau qui récupère. Il voit l'ouverture et dégage. Et là-dessus, prendra fin la pénalité à Mathieu Schneider. Canadien qui a bien travaillé défensivement. 3 à 2, les tirs au but favorisant les Kings. Voici en zone neutre, Brian Bellows. Plaqué par Donnelly, il remet chez les Kings. C'est Jitnik qui passe à Donnelly. Derrière lui, interception de Bellows. Là, c'est Chouchak qui est venu pour le plaquer. Retient le bâton de Bellows ensuite en se relevant, mais l'arbitre laissera passer cette infraction. Bellows qui frappe ensuite Blanco. Là, c'est Blake qui rentre en zone adverse. Ramal Kouri. Kouri à la ligne bleue pour Chouchak. Le tir qui est dévié, frappe Kouri. Elle est libre dans le coin maintenant. Blake veut reprendre. De fait, il lance devant le but, mais la rondelle a touché l'extérieur du filet. Voici une passe qui est dirigée vers Danfous. Calmement, du côté droit, remis à Bellows, 2-3 avec Desjardins. Le tir est bloqué, le retour qui vole dans l'enclave, qui appartient à Chouchak qui dégage. Chouchak qui a plaqué Lebeau avec un coup de poing au visage de là, les murmures chez les spectateurs. Là, c'est Lebeau, une passe pour Bellows. Il s'empresse de lancer loin derrière le filet de Kelly Rudy, qui immobilise le disque derrière son but pour Hardy, qui passe en. Du côté gauche à McSorley. McSorley aussitôt un tir qui est bloqué par Roy. C'est le retour à Haudelaire après l'avoir bien redirigé. C'est pour Dion. Dion plus loin, sa passe ne trouve pas preneur. Lehman était rattrapé. Dion en retrait récupère et passe jusqu'à Schneider. Du côté droit pour Haudelaire. À Schneider en plein centre. Le voici en zone adverse. Pour relais à Lehman, le tir. C'est bloqué par Rudy qui a fait une belle sortie d'environ 2 mètres pour fermer l'angle. Donaker. Les sorties de Rudy sont bien calculées. Là, c'est Dion qui n'a pu immobiliser le disque et le garder en zone adverse. Là-dessus, il y a dégagement qui n'est pas refusé. Roy savait qu'il y avait des changements au banc et ce n'était pas refusé. C'est Haudelaire qui reprend. Haudelaire lance à son tour en zone des Kings et permet à Demers d'effectuer d'autres changements. Là, c'est une passe devant pour Dion. Le tir qui est bloqué partiellement et le retour qui appartient à Wayne Gretzky. Il veut dégager, mais c'est devenu une passe pour Sandstrom. Sandstrom à Gretzky dans la droite. Gretzky applique les freins, remet vers Sandstrom et la rondelle tombe entre les patins de Lehman et dévie jusqu'à Brisebois qui remet au centre pour Di Pietro. Di Pietro en zone adverse. Di Pietro applique les freins, il lance en fond de la zone. C'est Dion qui cherche à se profiler, il plaque Sedor. Sedor a du mal à se relever, là c'est Dion qui reprend la rondelle perdue. Il passe à Di Pietro qui le renvoie à Ed Roman. Roman derrière pour Di Pietro, devancé par Charlie Huddy. Huddy tente un dégagement ou une passe pour Robitaille, annulé par Brisebois. Là c'est Roman qui reprend, il perd et le disque est poussé jusqu'en zone neutre. Voici Deniau à sa ligne bleue, n'entre pas chez lui, il passe à Roman qui fait des pieds jusqu'à Rudy, qui laisse dans les manœuvres. 0 à 0, on est presque à mi-chemin dans la période. La foule qui se met de la partie, de 5-4 les tirs au but favorisant le Canadien. Voici Éric Desjardins derrière son but. De là, il fait une passe avec un faux bond qui lui sourit parce que c'est Carbonneau qui a pu compléter. Il a remis jusqu'à Roman. Roman arrêté par Blake. Carbonneau intervient, mais sa passe est interceptée par Rob Blake. Il la redirige vers Donnelly du côté gauche. Donnelly tente un relais. Beau repli de Roman qui anticipe bien et intercepte et dégage. Et permet à Demers d'effectuer ses changements. C'est toujours 0 à 0. Chouchak, une passe en zone neutre. Interception de Leclerc. Aussitôt, il relance le disque derrière le filet de Kelly Rudy. Les Kings en ont plein les bras. Du mal à sortir de leur petit royaume. Rondelle qui est poussée jusqu'en zone neutre. Prise par Schneider. Schneider recule jusque chez lui. 10 secondes. 10 minutes et 3 secondes, pardon, encore à la période. Là, c'est Leclerc qui trébuche.
La foule réclame une pénalité qui ne vient pas. La Belouse cherche à reprendre. Leclerc redirige le disque dans le coin. Pour Belouse qui s'est faufilé par Samalo. Le lancer qui est dernier est bloqué par Rudy. Voici Yannick Couli. Couli qui revient en zone neutre. De là, c'est O'Dline qui attend la sortie de Kurt Muller, mais cependant, il entre la rondelle en zone adverse. Début de dispute entre Reichel et O'Dline, mais ça n'ira pas plus loin. On continue l'action. Voici Couli. Pénalité de lancer encore au Canadien. Couli travaille d'une seule main, Romain Robitaille. Il prend l'air en voulant lancer. La rondelle revient jusqu'à Hardy. Une passe dans le coin pour Granato qui passe à McSorley et à Gretzky. Gretzky. Une passe qui touche le goal, mais c'est pas suffisant. Là, c'est repris par Couli. À Hardy, le tir qui dévie et tombe dans le coin. Rondelle prise par Keane. Et voilà la pénalité en différé qui est annoncée. Pénalité à 10 minutes et 46 secondes. La foule se fait entendre. Claude, on y reviendra. Pénalité à Mike Keane, Claude, pour Asselot à 10 minutes et 46 secondes. On va revoir l'infraction. Son jeu ici. À la gauche de l'écran, on l'a bien vu, hein. Il s'était donné tout un élan. Voici Gretzky. Gretzky devant Carbonneau. Conserve, fait une passe jusqu'à Sandstrom. À surveiller le travail de Robitaille devant le but. Gretzky a repris le disque. Gretzky encore, tente une passe qui touche le bâton de Carbonneau. McSorley le lui renvoie. Ça avance et ça a dévié, mais à l'extérieur. Bien pensé la part de Gretzky. Beau jeu. Sandstrom lui remet devant le but, n'y arrive pas. Il va par derrière le filet pour Gretzky dans le coin. Gretzky encore. Conserve devant Carbonneau. C'est un coup d'œil au but. Se moque de Carbonneau littéralement, la veut lancer, mais Desnoy fait des pieds hors de portée de Sedor. Il est contré par Brunet. Gretzky récupère derrière le filet. Il est à l'aise dans son bureau là. Voilà Gretzky toujours. Sandstrom est devant avec McSorley et Robitaille. Gretzky encore. Tente une passe. Oh, il a essayé de ricocher sur le patin de Desnoy. La rondelle revient maintenant à Gretzky. Il passe à McSorley. McSorley se déplace en latéral. Passer à Sedor. Sedor dans le coin. Une passe qui va à Robitaille, il la renvoie à Darryl Sedor. Sedor à McSorley. McSorley fait le tir, il passe à Gretzky. Gretzky maintenant devant Vigneault. Un volet pour Robitaille, le tir, il a essayé d'enfiler l'aiguille. Et voilà le dégagement sur le retour. Celui de Brunet. 50 secondes à l'infraction que purge Mike Keane du Massapet. Voilà le rondelle qui est poussé dans le coin à la droite de Roy. O'Dline est là, le lob est efficace et réussi jusqu'à l'autre extrémité. 36 secondes encore avant le retour de Mike Keane. Alexei Jitnik jusqu'à Yari Kouri. Du côté gauche, c'est Pofoni Granato arrêté par O'Dline. Rondelle libre, prise par Schneider. Il lance par la rampe vers la zone neutre. Blake annule le dégagement. Il passe à Granato, derrière à Carson. À Granato dans le coin, la rondelle lui revient. Il a reculé à Granato, derrière à Carson. Tout le monde est dans le coin. Granato maintenant cherche à se démarquer, à créer une ouverture. La boîte est bien formée chez le Canadien. Blake s'en va devant le but. Jitnik qui lance, oh, ça dévie sur Carson et Roy fait l'arrêt. La modèle tire bien ensuite jusqu'à Roden. Il la perd. Là, c'est Schneider qui immobilise le Donovan. Pénalité terminée. Canadien plus le coup. Pénalité d'annoncer, c'est pas aux Kings. On a fauché les pieds de Schneider au double échec. L'infraction à 12 minutes 49 secondes. L'autre, on est Granato pour avoir fait trébucher. On voit le jeu dans le coin de la patinoire. C'est la corde à linge basse. Alors, le Canadien a donné seulement deux tirs à l'adversaire. Il y a eu deux tentatives de Gretzky en direction des filets, une de Blake. Bon travail en désavantage numérique. À leur tour maintenant d'opérer avec avantage numérique. Attention, on dit bon travail en désavantage numérique. Bon travail de Roy particulièrement. Hein, deux tirs. Même s'il a fait face à deux tirs seulement, ça devait être super prudent parce qu'un ricochet malheureux aurait pu faire des ravages. Au beau jeu de Desjardins ici qui répare l'erreur de Brisebois. Là, c'est Legault en contre-attaque. Legault, une passe qui va dans le pouce, rentre en zone adverse. Il lance le tir volé, il était bloqué par Blake qui formait l'écran. Rondelle recouvrée par Belouse. Belouse s'élance, rondelle qui touche un bâton, qui revient Belouse. Il ne peut soulever le disque maintenant. Dans sa chute, le gardien a dû fermer l'angle considérablement. Et la passe est trop vive et elle tombe en zone neutre. Voilà Desjardins, une passe pour Danfous. Il la perd, c'est Legault qui vient rechercher le disque devant son banc en territoire neutre. Voici Brisebois, à sa ligne bleue, recule chez lui en passant devant Gretzky. Fait une passe jusqu'à Schneider, en retrait pour Brisebois, devant Coury. Soulève le disque pour Kurt Muller. Muller maintenant pour Belouse, veut remettre dans l'enclave. La rondelle ira à Schneider, à la ligne bleue, à Belouse. Il n'a pas d'angle, mais pendant le temps d'un tir annulé par Charlie Hoddy, c'est l'expérience qui lui a souri là-dessus. 0 à 0 toujours, 41 secondes encore à l'avantage numérique du Canadien. Voici Jean-Jacques Desnoy. 6 à 6 les tirs au but. Aucun lancer par le Canadien à l'avantage numérique jusqu'à maintenant. Kurt Muller lance à la gauche de Kelly Rudy. Rondelle qui est récupéré par le défenseur. Dégagement annulé par Schneider.
Enfin, le disque plus loin pour lui-même. Là, c'est Deniau qui viendra annuler le dégagement. Il passe jusqu'à Danfous. Danfous près du but pour Kurt Muller qui a essayé d'enfiler l'aiguille, mais a raté la cible. Là, c'est Schneider qui répond. Déplacement latéral. Schneider s'élance. Un lancer qui dévie sur un bâton et tombe en cible. C'est Charlie Huddy qui reprend. Et dans la rampe, il dégage jusqu'à l'autre bout derrière le filet de Patrick Roy. Roy a bien placé la rondelle pour Schneider. Chuchak s'appelait alors, il a dû accélérer rapidement. Il passe à Desjardins, Granato est revenu dans la mêlée, on joue avec des formations complètes. Voilà une mise en échec qui fait que la rondelle tombe en zone neutre. Rondelle poussée par Desjardins à la droite du filet de Kelly Rudy. 0 à 0 toujours. Là c'est Leclerc, bonne mise en échec. Lehmann en profite pour s'avancer. Lehmann toujours, la passe et le but de Di Pietro. Quel but de Lehmann! Avec une mise en échec. Toute une mise en échec sur le porteur du disque. Les Canadiens qui n'avaient pas obtenu de tir avec avantage numérique et à forces égales ont pu réussir à marquer. C'est Di Pietro qui va en profiter, mais toute une mise en échec à l'intérieur. Pour savoir évaluer son vis-à-vis, on oubliait que Leclerc était fort et aime pratiquer l'échec avant. Alors, c'est la mise en échec complète et Di Pietro vient toucher à la porte supérieure du filet. La patience de Lehmann aussi, Gilles. Oui, on va revoir ici la séquence. Le jeu bien exécuté. Alors, le défensif se doit de se ruer sur lui, qui est porteur du disque. Et Leclerc va chercher du reste par la suite. Son septième de série à 15 minutes 10. The Union goal is 7 of the playoff, scored by number 15, Paul Di Pietro. Voici Donald Dufresne devant Coury. Une passe qui est à la Desjardins, une autre pour le bon. Voilà Danfous qui s'en va seul. Danfous lance, c'est bloqué par Kelly Rudy. Quel arrêt cible. Contre-attaque de Blake du côté droit. Blake maintenant lance à la droite du filet de Roy. C'est pris par Desjardins. Desjardins derrière le but, qui a fouillé un moment, mais récupère vite la modèle pour en prendre un contrôle parfait. Ça va devant son filet, dans la rampe, tente un dégagement ou une sortie de zone ou une passe qui est annulée par Coury dans les trois temps. Là, c'est Dufresne, derrière le filet de Patrick Roy. 1 à 0 Canadien. 8 à 6 les tirs au but. Desjardins pour Lebeau qui se fait en cible. Maintenant pour Keane. Le voilà en zone adverse sur un jeu croisé. Il passe à Lebeau. Ramène la rondelle dans le centre, mais c'est Blake qui l'a intercepté et la sort de son territoire. Jitnik recule dans sa zone. Jitnik maintenant arrive au centre. Ça va du côté gauche. Gretzky saute dans la mêlée. Tente une passe qui touche Mike Keane. Tout va bien pour le Canadien depuis quelques minutes là. C'est repris par Jitnik ensuite. Jitnik du côté droit. Il lance sur Roy qui fait l'arrêt. Rondelle prise le long de la clôture maintenant par Charlie Huddy. Il s'élance, mais la rondelle touche légendaire de Cardona qui fait l'arrêt. Et le disque dévie jusqu'à la ligne bleue des Kings où Huddy est forcé de se replier. 3 minutes et 30 secondes encore à la première période. C'est toujours 1 à 0 Canadien. Voici Sandstrom. Sandstrom qui va de chez lui, s'en va du côté gauche et abandonne la rondelle pour Sedor qui passe à Gretzky qui fait dévier derrière le filet de Roy. Sorti de son but, Roy maintenant a eu du temps pour contrôler. Il a essayé de le faire parce que Brisebois était retenu derrière son but. Là, c'est repris par Brunet sur une passe de Roman. Brunet accélère du côté gauche, attrapé par Sedor, tente un tir qui est bloqué par le défenseur. Là, c'est Roman qui pivote, mais là, il n'avait plus de poids sur son bâton et était légèrement hors d'équilibre. Kurt Muller mis en échec par Robitaille au centre. Pendant que Huddy reprend sa ligne bleue. Huddy lobe le disque par-dessus la ligne défensive du Canadien. C'est Oldline qui reprend à la droite du but. Oldline, il va d'une passe pour Bellows. Bellows qui transporte le disque plan droit. Bellows toujours devant Hardy. Un tir qui est bloqué par Rudy. Et il n'y aura pas de retour. Il savait que le gros numéro 17 s'amenait à sa droite. Le jeu reprend. Voici McSorley. Il y va d'une passe pour Granato, rattrapé par Bellows, qui lui fait perdre la rondelle au profit de Leclerc. Là, c'est McSorley qui a charge de surveiller John Leclerc. McSorley qui a frappé trois fois Leclerc, qui a tenu le coup, il a bien résisté et a su faire face à la musique. Dans le cas de McSorley, gros comme il est, on pourrait dire qu'il a fait face à tout l'orchestre parce que c'est pas le dernier des vues. Alors, un peu de robustesse, Claude, à la toute fin de la séquence ici, avant de quitter pour la pause avec McSorley. Il y a eu Leclerc et McSorley, quelques contacts en territoire neutre. Les deux se sont fait face. Comme on peut voir, deux hommes forts, trois. Alors, ceci poursuivi en zone par la suite. Serait-ce temps de M. Gregson de prendre position, mais non. Alors, 2 minutes et 17, les tirs au but, 10 par le Canadien, 7 par
les Kings. Est-ce que ça ressemblait au coup du requin de Pierre Bouchard, Gilles? Oui. Pas mal, hein? Quinquin, requin. Voici Yari Kouri pour Tony Granato du côté droit. Granato pousse le disque dans le coin, mais personne n'a pu se faufiler. On a bien Willem chez le Canadien, là. C'est Granato qui ne peut récupérer le disque. Recouvré ici par Desjardins. Pour Lehman, la passe suicide. Accepte bien la mise en échec. Là, c'est Di Pietro qui veut se faufiler, n'y arrive pas. Si c'est pas une pénalité, ça, qu'est-ce que c'est, Gilles? Voici Robitaille. Robitaille pour Kouri. Kouri dans le coin pour lui-même, mais la rondelle n'a pas fait le bon espéré. La Robitaille toujours prise avec Dufresne à ses trousses. Dufresne se retourne, tente une passe qui fait faux bond et tombe aux mains de Paul Di Pietro qui remet à Dion. Dion à Lehman. Lehman maintenant, une passe qui lui revient, mais on a jugé qu'il y avait un jeu. On va encore s'en prendre à Dion. Il lance souvent après les coups de sifflet, Dion. Et là, l'arbitre est sur le bord de perdre le... vraiment perdre le contrôle de son match, Gilles. Gretzky et Carbonneau à la mise en jeu. C'est gagné par Gretzky puisqu'il a touché la rondelle à la volée pour la pousser sur la ligne rouge. La World Line la récupère, prend bien son temps et lance dans le fond de la zone des Kings. Ici, c'est Brunet. Brunet tente une passe, il est mis en échec par Blake qui avait perdu son bâton et le récupère. Là, c'est Sandstrom derrière lui, une passe pour Gretzky. Vers Sandstrom, mais Schneider a touché à la rondelle lorsque Gretzky entre en contact avec le disque en zone du Canadien. Coup de sifflet se fait entendre. Le Canadien a excellé en territoire neutre. Gretzky vient de se faire prendre également sur un jeu un peu de fantaisie dans son jeu, mais avec un bon harponnage, on lui a fait perdre le contrôle de la rondelle. Plusieurs jeux ont été brisés en territoire neutre. Alors, on a vu du Gretzky et des Kings dangereux avec avantage numérique sur le contrôle de la rondelle. Peu de tirs en direction des filets, mais quand même ont tenu le meilleur lancer. Ils ont fait l'exception du départ, celui de Tony Granato. Il y a 4 ans aujourd'hui, on remettait à Wayne Gretzky, en 1989, son 9e trophée Hart. 9e consécutif, et c'était la première fois qu'un joueur dans l'histoire du hockey méritait le trophée Hart 9 fois. On a vu Demers qui s'est adressé à Brunet, là. Il ne l'a pas invité à son bureau cette fois, hein? Non. Mon encouragement également. Eh oui. Parce qu'il joue bien, le petit Brunet, depuis qu'il a fait une visite au bureau de Demers. Hein? 1 minute à jouer. Voici Dion. Je suis content pour Brunet aussi qu'il y a eu des saisons malchanceuses. Jitnik, plaqué par Carbonneau, qui essaie de remettre à Ronan, mais c'est Gretzky qui a récupéré, sinon le jeu était parfait. Voilà Ronan dans son repli, empêche Gretzky de compléter une passe. Le lock maintenant de Schneider, qui tombe en zone neutre, puis par Jitnik. Et Carbonneau et Blake. Voilà Carbonneau qui... on reçoit un coup de poing de Blake et l'arbitre Gregson a décidé de sévir. Et pour cause, Gilles, ça semblait au fameux coup de poing qu'il a reçu sur le menton de la part de Peter Stachy. Pénalité avec... Il a souri après. Il est blessé d'ailleurs, il saigne. Pénalité avec 36 secondes et 7 dixièmes, Claude. Oh. Là, il y a Ronan et puis Sandstrom qui pourraient être chassés à leur tour. On ne veut pas céder d'un coup, c'est d'un côté comme de l'autre. Ça, tu peux être certain. Mais Carbonneau a été coupé au visage, Gilles. Demers le signale à Ray Scapinello pour que ce dernier le dise à l'arbitre Gregson. Parce qu'il pourrait y avoir, est-ce que c'est avec le bâton qu'il a été coupé? Est-ce que c'est un 5 minutes? Voyons voir la décision de Terry Gregson ou son interprétation de ce règlement. Je vois comment ça s'est passé. Une bonne mise en échec le long de la clôture au départ. Le coup d'épaule. C'est là qu'il aurait peut-être été coupé avec la... Et le dernier jeu par la pierre. Parce qu'il y a eu contact. Oh. Une droite au visage de Carbonneau. Probablement qu'il est coupé avec sa propre visée. Oui, oui, oui. On l'a bien vu sur les deux mises en échec. Un coup d'épaule et un coup de poing. Alors, 2 minutes. Blake avec 36 secondes et 7 dixièmes. Il y a quelqu'un chez le Canadien qui sera chassé aussi. Gilles Ronan font probablement. C'est ce qu'on demande. Est-ce qu'il y aura pénalité mineure double, Ronan et Sandstrom? Font probablement. Parce qu'il y a eu... Davides à l'autre bout, de l'autre côté, à la gauche. Alors, Roderick était là et Sandstrom était là également. Alors, on donne des explications ici. Gregson a fait signe à Sandstrom qu'il était chassé, lui aussi pour les 2 prochaines minutes. Alors, on le renvoie, on le retourne au vestiaire puisqu'il reste 36 secondes seulement. Il y a une seule pénalité au tableau indicateur, celle de Rob Blake. Et Ronan également a été retourné au vestiaire. On revoit encore une fois le coup de poing au visage de Carbonneau. Alors, quand je faisais référence au coup de poing de Peter Stachny au visage de Carbonneau, c'était pas dans les mêmes circonstances tout de même. Il répond souvent avec un sourire qui en dit long. Ça ressemble un peu à la
Joconde si Léonard de Vinci avait connu Carbonneau. On n'aurait pas connu la Joconde. Alors le Canadien 0 en 1, Claude, avec son avantage numérique. Et on a marqué très peu de secondes après le retour. Après le tour de Granato qui avait été pénalisé. C'est vrai. Au départ. 1 minute 51 secondes à la pénalité, 26 secondes à la période. Muller derrière le filet. Muller. La passe devant, c'était pour Danfus, mais il a touché l'extérieur du but. Voilà McSorley qui parvient à mettre à Gretzky. Gretzky complète le dégagement et jette un coup d'œil au tableau pour voir le temps qui reste à écouler. 12 secondes, M. Gretzky. Voici Bellrose, un tir de loin qui frappe la rampe, qui revient vers McSorley, se retourne, veut dégager, Danfus en empêche, mais il reste une seconde seulement, ce sera trop tard. Voilà, en mettant devant le filet, c'est Huddy qui a fait dévier hors de portée d'un joueur du Canadien et le dégagement où la sirène s'est fait entendre. Rob Blake est au bas des pénalités. Kirk Muller devant Conacher, c'est gagné par Muller qui a passé à Schneider et Desjardins. À nouveau pour Schneider. Qui lui rend la politesse. Desjardins en plein centre pour Muller. Relais du côté droit pour Danfus. Ils prennent en rentrant chez les Kings. Tente une passe. C'était pour Muller, mais la glace était lente là-dessus parce qu'il y avait de l'eau qui n'avait pas encore gelé complètement et souvent ça freine les rondelles. Voici Desjardins. Une passe pour Danfus. En retrait, c'est pour Desjardins chez lui. Un autre relais que Schneider se doit de bien dribbler. Lorsque Reichel a passé devant lui, là c'est Danfus du côté gauche pour Bellrose. Bellrose veut remettre devant le but, la rondelle touche un patin, revient jusqu'à Schneider. Un tir qui a été dévié, mais sur réception jusqu'à l'autre bout par Charlie Huddy. Éric Desjardins de son gardien Roy devant Cooley. Arrive au centre, de là il lance le disque le long de la baie vitrée en zone des Kings. Huddy le premier rendu, temps de dégagement annulé par Kurt Muller. Il passe ensuite à Danfus qui le renvoie à Muller derrière le but. À Danfus dans le cercle de mise en jeu. Personne ne se pose devant le but. Voilà Muller qui le fait. Il passe à Danfus, à Schneider. Schneider jusqu'à Brisebois qui a abandonné son poste. Le tir qui dévie sur un bâton et qui tombe à l'extérieur du filet. Un seul défenseur pour le but de Brisebois. C'est Gretzky qui reprend. Gretzky coupe vers le centre. Arrive devant Brisebois. Conserve près de la ligne bleue et lance dans le fond du territoire. Mais c'est bloqué à mi-chemin par Kurt Muller. Finalité terminée. Voici Sedor. Tente une passe pour Gretzky. Interception Schneider. Tire aussitôt à Brunet. Brunet arrive devant Sedor. Retient le bâton de Sedor. Travaille d'une seule main maintenant. Sedor le lui fait perdre en frappant sur son bâton. La passe devant Carbonneau. Un arrêt in extremis. Avec le bloqueur. Rondelle prise par Keane. Il fait des pieds à la droite du filet de Kelly Rudy. C'est Gretzky qui reprend dans le coin. Une passe que Keane intercepte le tir encore. Une rondelle qui a donné du mal au gardien Kelly Rudy. Voici Charlie, ou plutôt Yari Kouli. Il lance jusqu'à l'autre bout. Dégagement qui sera refusé aux Kings de Los Angeles. Voilà lorsque Delio touche à la rondelle. C'est la bonne décision ici de la part de Kouli de dégager. Claude, il y avait beaucoup de fatigue. On vient de découler le temps d'une pénalité. Hein? Alors Claude, on a une prise de caméra qui nous montre les bâtons ici des joueurs des Kings tout près du vent. Alors surveillez ceux de Mick Sorley. Ce qu'on a fait pour cacher. J'ai une deuxième chose, hein. Les bâtons de McSorley, c'est la première fois qu'ils sont dans leur atelier parce que jamais ils n'étaient là avant qu'ils ne se fassent prendre. Parce qu'avant, il gardait ses bâtons de rechange avec lui au banc, tout comme Luc Robitaille et aussi Sandstrom. Les temps de... Les mises en jeu, pardon, en première, 7 par le Canadien, 7 également par les Kings. Très bien partagé. Et pour les mises en échec, ben, c'était aussi assez partagé. Voici Di Pietro, une passe qui est allée jusqu'à Dion, mais il a perdu. Rondelle recouvrée ici par Carson, il perd à Di Pietro, il lance. Il a essayé du côté de la mitaine, mais a raté la cible. Rondelle prise par Marty McSorley. McSorley du côté droit, arrive en zone 2. Une passe pour Jimmy Carson, qui remet à Robitaille. Robitaille derrière McSorley, le tir, et le but! Très beau but de la part de McSorley. La rondelle que de pas de toucher l'intérieur du côté. Oui, un tir, presque un tir du poignet. Il a éloigné son bateau de quelques pieds seulement sur une belle passe de Robitaille qui entrait à la gauche. McSorley a pris l'offensive en plein centre et sur réception, un lancer bien dirigé juste à la droite de Patrick Roy. Du côté du bâton, la rondelle que lui toucher, je vois, à l'intérieur du poteau. Il y a une déviation. On voit sa sortie de zone. À
Carson et Robitaille. La passe à Robitaille, il vient appuyer l'offensive. Il surveille, t'as vu? Éloigner son bâton, quelques pieds seulement. Et le tir est bien précis, un lancer quand même assez. On va le voir de cet angle ici. À l'intérieur des deux poteaux, regarde. Premier poteau, deuxième. Juste à l'intérieur. Oui. Ding dong, merci, bonsoir. Mais on demande un visionnement. Peut-être que la rondelle n'a pas pénétré à l'intérieur du but. Est-ce que la rondelle, si oui, c'est un quatrième but pour Mike Sauvey. Peut-être que la rondelle n'a pas pénétré à l'intérieur du but. Regardons de cet angle, Gilles, la prise en plongée va bien nous faire voir si la rondelle a franchi la ligne des buts. Pour le moment, non. Jusqu'à maintenant, pas du tout. Oui, monsieur. Oui, à l'intérieur, il revient. Sur le troisième ricochet. C'est la 16e fois qu'on demande. On a demandé 16 fois l'arbitrage. Donc, c'est la 17e. Par l'arbitre et 5 fois par les juges de but. Eh bien. Alors, 21 fois, la 22e fois qu'on demandait le jeu vidéo. Alors, c'est son quatrième. La rondelle qui a été touchée d'intérieur. Et là, on a bien vu tomber à l'intérieur. Plusieurs courses à l'intérieur. Après, le premier et deuxième poteau, elle n'était pas à l'intérieur. Lorsqu'elle a touché ensuite la tige horizontale, elle était mise en avant du but. Bon côté d'Amigou, bon côté pour l'absorber, mauvais pour moi. C'est 1 à 1. Voici Éric Desjardins. Une passe pour qui, mais il se contente de plaquer Gitlick pour l'empêcher d'intercepter. C'est devenu un dégagement qui n'est pas refusé. Blake derrière le filet de Rudy. Une passe qui va jusqu'à Gitlick. Ensuite, on laisse filer la rondelle vers Reichel du côté droit. Il lance et rate la cible. La rondelle revient jusqu'à Gitlick. Gitlick. Oh, on a jugé qu'il y avait un jeu où la rondelle était bel et bien revenue en zone neutre, mais ce sera annulé avec la sortie de Lebeau. Lebeau maintenant qui fait des pieds en zone des Kings. C'est pris par Reichel en zone neutre ensuite. Desjardins récupère. Le voici à la ligne bleue du Los Angeles. Il pousse le disque près du filet du gardien Rudy. Il ne savait pas que la rondelle était près de lui comme ça. Il pensait qu'elle était derrière le but. Il a dû se réviser rapidement. Voilà Schneider, il lance le disque, touche un bâton, revient à Danfous derrière le but. Danfous plaqué par Blake, remet dans l'enclave, une passe pour O'Brien à la ligne bleue. Le tir qui est dévié, vole dans les airs. Rudy avait déjà le doigt dans les airs pour capter la passe. Mais là, c'est pris par Danfous. Quand on le but, remet devant, il a lancé le but. Pour Kirk Goodmother. Qui a été bien patient, lui. Attendu cette passe. Surveillez le travail de Vincent Danfous ici. Kirk est bien placé. Le tir et la rondelle qui finalement vient glisser plus que les Rudy. On va revoir cette séquence. Un angle différent. Le premier arrêt de la part de Rudy. Le travail de Moller pour Danfous. Il quitte le point de patinage pour revenir se placer devant. Et le jeu ici, comme on peut voir, qui va être glissé derrière. Est-ce que la rondelle a touché le patin? Peut-être Rudy sur le pied pour rien, mais un dixième but pour Kurt Muller. Voici Huddy. Une passe que Robitaille ne peut compléter. C'est Schneider qui du centre renvoie le disque derrière la filière de Kenny Rudy. Là, c'est Brilet qui a donné le dégagement de Rudy. Tente une passe qui est prise de l'avant par Lourdes, mais il est écrasé sur la clôture. Carbonneau récupère, lance au but. Brunet qui reprend au retour. Brunet veut s'avancer davantage. Avec le patin, il reprend, mais il a pu tirer. La rondelle a passé. Le bâton a passé par-dessus la rondelle. Voici Gretzky. Gretzky en zone du Canadien, une passe pour Sandstrom. Il a dû éviter, Ronan ne pouvait manœuvrer à sa guise. Carbonneau qui lance jusqu'en zone neutre, c'est Sidor dans un repli qui reprend. Sidor, une passe pour Luc Robitaille. En retrait légèrement pour Havik qui passe à Sidor du côté gauche. Sidor au centre, une passe que l'on laisse filer en zone adverse. Schneider maintenant qui plaque son couvreur. Rondelle qui revient jusqu'à Woodline et le dégagement est refusé au King. Ça devait faire vite. Alors c'est 2 à 1 pour le Canadien de Montréal. Claude, les débuts ont été marqués à 1 minute et 11 d'intervalle. On prend à la gauche de Kelly Rudy. Corey Millen et Paul DiPietro sont là pour la mise en jeu. Ni l'un ni l'autre n'a pu toucher à la rondelle. C'est McSorley qui est venu la récupérer pour lancer en zone neutre. C'est pris au vol par Brisebois. Aussitôt, il repousse le disque en zone des Kings. McSorley reprend de Kelly Rudy. McSorley, une passe qui va à Corey Millen. Dans la rampe, la met jusqu'à Donnelly qui lui a refilé au passage. Millen toujours, cherche l'ouverture, il lance, puis ça dévie sur le bâton de Brisebois. Et voilà un souvenir du match de ce soir. Bon travail de Patrice Brisebois, c'est qu'il a bien suivi son vis-à-vis de l'autre.
qui est préoccupé et de l'homme et de la rondelle. Il va acheter un coup d'œil à l'intérieur du mobile de Radio-Canada. Vous êtes recevé Jacques Ribault, le réalisateur, André Lacasse, Michel Guidoz, Francine Doret, tout le personnel de Radio-Canada. Et Céline Dion maintenant qui est entre l'extérieur de son ville. Il était à Paris la semaine dernière avec son agent René Angelil qui lui est à Los Angeles pour suivre le Canadien de Montréal. Alors c'est du monde qui voyage beaucoup et qui travaille et on leur souhaite la meilleure des chances à Céline Dion. Voici Éric Desjardins. René Angelil avait porté un chandail du Canadien à Los Angeles et il s'est fait huer considérablement, mais il disait qu'il était capable de faire face à la musique puisqu'il vit dans le monde de la musique. Donnelly, dans le coin. Une rondelle qui est perdue, mais retrouvée aussitôt par Donnelly. C'est pour Hardy. Hardy fait le tir, mais déjà Lehman s'était compromis, mais là, il lance devant le tir qui a été dévié par Granato. Pénalité d'annoncer. On a fait trébucher le rôle. Lehman. Gary Lehman, oui, contre Mark Hardy qui transportait le disque le long de la clôture. Il y avait bien infraction. La foule réagit parce qu'on en laisse passer, mais il ne faudrait pas critiquer l'arbitre qui pénalise maintenant lorsqu'il y a vraiment infraction. Ouais. On va revoir la séquence et c'est Lehman qui fait vraiment chuter Mark Hardy. On voit le plongeon de Mark Hardy dans le coin de la patinoire. Mais c'est bonne décision. Le jeu est bon et ça vaut une pénalité, Claude. Et si c'est à 5 minutes et 32 secondes. Jean dit quelque chose, il commence par PS, et ça ne veut pas dire que l'aide sociale qui prend plus. Les deux buts, Claude, Max Sorley, son quatrième de Carson, les Robitaille à 2,40, 1 minute et 11 plus tard. Moller, son dixième, de Danfoss et Roadline à 3 minutes 51. 1 minute et 11 plus tard, marqué par le numéro 11. Bien oui, ça fait du 11, ça. On prend à la droite du filet de Patrick Roy. Et pendant que Kurt Moller, il sera là pour la mise en jeu. Le quatuor défensif est formé de Muller, Keane, Oldline et Schneider. Et chez les Kings, on en verra dans la mêlée Gretzky avec Sandstrom, Sedor, McSorley et Robitaille. Voilà le temps de glace en première période. Gretzky, 7 minutes 55, 58 pour Carbonneau et 6 minutes 6 pour Kurt Muller. Et à chaque période, on vous présentera le cumulatif du temps passé sur la patinoire par ces trois joueurs parce que Muller et Carbonneau ont la surveillance de Gretzky à effectuer entre autres ce soir. Voilà Gretzky en retrait pour McSorley, l'auteur du seul but des Kings jusqu'à maintenant. Un tir qui a été bloqué par Roy. Retour King qui ne peut dégager. Sedor a fait l'arrêt. Rondelle prise par Sandstrom vers Gretzky, mais c'est Oldline qui au passage a poussé la rondelle à l'autre extrémité pour empêcher la merveille de récupérer. 1 minute 37. Encore la pénalité que purge Gary Lehman. Voici Sandstrom du côté droit. Sandstrom perd le disque qui glisse jusqu'à Roy. Il le cède à Schneider dans un dégagement qui est annulé difficilement par McSorley qui tombe. La rondelle est poussée dans le coin vers Robitaille. Il la renvoie à Sandstrom. Il est contré par Kurt Muller, mais Sandstrom protège bien la rondelle. Là, c'est McSorley qui se compromet. Il lance devant le but. Roy récupère et passe à Keane qui dégage. On appelle ça de la complicité et de la confiance en soi. 1 minute 7. Bien réparé rapidement une bébue semblable. Une passe de deux autres. Oui, oui. Ça en est fallu de peu ici. Il manque de concentration de la part de McSorley ici. Une foulée de plus. Et le jeu était bon en territoire neuf. Gilles Berlose a dit, ne me laissez pas croire qu'il y a des fantômes dans le forum. Parce que si j'étais à la place de Demers, j'aimerais pas qu'on pense que c'est Toblé qui est venu gagner ses matchs pour lui. Et il a rendu hommage à Jacques Demers, lui a donné tout le crédit qu'il méritait. Et parlant de fantômes, ben, il y en a encore ce soir dans le forum. En voici un, le capitaine des fantômes, Maurice Richard. Voici Jean-Jacques Daigneault. Daigneault lance par la rampe, une rondelle qui est poussée à l'autre extrémité. C'est Gitnik qui récupère. Gitnik qui a passé à Blake, ensuite vers Donato. Donato laisse filer le disque derrière le filet de Roy. Dégagement qui est annulé par Coury et Gitnik, mais on a jugé que le disque était bel et bien revenu en zone neutre. Les juges de ligne sont bien placés. Wayne Bonnet l'a bien vu. Carbonneau continue son excellent travail, Gilles. Le gars qui joue aussi bien à Montréal qu'à l'étranger, ne se laisse pas intimider par personne, est capable de jouer tous les types de jeux. Il a excellé depuis le début des présentes séries, Flo, non seulement en défensive, en offensive également. Parler. Très belle contribution. Et plus ça va, plus il est en forme. Son genou l'incommode un peu, mais il a réussi et a appris à composer avec la douleur.
depuis qu'il est dans l'uniforme du Canadien. D'ailleurs, voici Parson, il perd le disque, qui glisse jusqu'à Roy, qui ne prend aucun risque. Il emprisonne la rondelle dans son gant. 27 secondes avant le retour de Gary Lehman. Trop de deux tirs seulement se sont rendus à Patrick Roy pendant cet avantage numérique avec 27 secondes à faire. C'est encore une fois de l'excellent travail de la part de l'unité défensive. Alors, on a beaucoup de difficultés à pouvoir toucher Roy. Voilà Maurice Richard, encore une fois, une des figures les plus populaires en compagnie de Madame Richard, Lucille de Rémy-Prénon. Hein. Et il a 73 ans, mine de rien, Maurice Richard. 72 ans. Alors, tu vois, il est quand même en excellente forme physique. Lorsqu'on le voit, il est encore physiquement très imposant. Voici Kirk Muller, en prenant le disque plus loin pour Carbonneau. Rapide, il peut se démarquer, mais McSorley l'a légèrement accroché au passage. Donne du mal à Darryl Sedor. Le mort en échec. Kirk Muller récupère. Il est rejoint par McSorley et puis Sandstrom. Et la rondelle est prise par Luc Robitaille, poussé chez lui avec un patin. Encore Danfus qui fait perdre le contrôle du disque à Sandstrom. Gretzky récupère. Il lance à la gauche du filet de Roy, là où Schneider reprend pour passer à Carbonneau, qui complète le dégagement. Là-dessus, prenait fin la pénalité à Gary Lehman. Et ça va être de venir une passe, Gilles. C'est 2 à 1 pour le Canadien. On prend près de la ligne bleue des Kings. Le beau à la mise en jeu devant Corey Millen. Oh, pénalité. Oui. C'est Danfus qui sera puni. Ça va cingler. Bâton élevé. Donnez du coup, bâton élevé. Attends, on va. Mais ça se préparait, hein, ça streamait depuis longtemps. 7 minutes et 40 secondes. L'infraction, Vincent Danfus. On va voir le jeu de l'autre dès le départ. Les deux se... Oh, le coup! Oui. Les deux se charriaient depuis un bout de temps. Hein. Qui était prêt. Infraction, Danfus. 7 minutes 40. Avantage numérique, les Kings qui sont 0 en 3 pour le moment. Canadiens, 0 en 2. On va pas en abuser. Non. Parce que la loi de la moyenne va finir par jouer en faveur d'une équipe ou contre l'autre. Avant le match de ce soir, les Kings, 14 en 79 au total, mais contre le Canadien, c'était 3 en 19. Alors, 3 en 22 jusqu'à maintenant. Blake oublie de transporter le disque avec lui. Ici, c'est Jitnik qui remet à Robitaille. En retrait pour Jitnik du côté de Gretzky. Toujours bien ouvert. Gretzky passe à Jitnik. Jitnik maintenant lance au but. C'est bloqué par Oldline devant le filet. Et la rondelle qui est allée choir dans le coin. Ensuite, ça a soulevé des murmures. La Blake passe à Gretzky. À la ligne bleue pour Jitnik. Jitnik déjoue Keane qui s'était compromis. Jitnik s'avance, lance. Roy fait l'arrêt deux fois sur le retour de Robitaille. La chute de Keane a fait que Jitnik a eu un angle beaucoup plus difficile, Claude, lorsqu'il a coupé à l'extérieur. Alors, Roy vient demeurer près de son poteau, lui, debout, pour faire le premier arrêt. Alors, on va revoir la séquence. Surveille, il doit couper complètement à l'extérieur, mais ferme son angle de tir considérablement. Roy est là, debout, se laisse frapper, et par la suite, peut l'immobiliser. Vous avez vu aussi Keane, en tombant et pivotant, a asséné un coup sur les mains de Jitnik. L'arbitre a fermé les yeux, lui. Robitaille a tenu, lui, une excellente passe sur le but de McSorley. C'est une belle sortie de zone. Tout d'abord, McSorley en tête pour Carson. On force la défensive à reculer et l'autre appuie l'offensive. Voilà Degno de Carbonneau à Carbonneau maintenant. Une passe ou un dégagement annulé par Jitnik qui remet à Gretzky, rattrapé par Carbonneau. Gretzky protège bien la rondelle, veut faire un relais que Degno intercepte. Passe ensuite à Carbonneau vers Degno qui se retourne et le dégagement est bon jusqu'à l'autre extrémité. On a vu sur les dernières séquences en attaque à 5 combien Gretzky est rapide à repérer quelqu'un, Gilles. Il a vraiment le compas dans l'œil et une vue périphérique remarquable. Voici Robitaille pour Gretzky encore. Il sait ce qui se passe. Il lance dans le fond de la zone. C'est Degno qui intercepte, dégage, puisque Blake a été incapable de garder le disque à l'intérieur de la ligne bleue des Canadiens. Gretzky encore. Gretzky du côté de Granato. Il savait que Robitaille tentait un jeu d'attirer. La rondelle revient vers Gretzky devant le but. Oh, heureusement que quelqu'un a touché à la rondelle au passage. C'est Roy qui a aidé sa cause parce que Robitaille était laissé fin seul à l'embouchure gauche du but. 32 secondes encore à la pénalité que purge Vincent Danfus. Voici Jitnik. Il lance dans la zone du Canadien et le disque tombe chez les spectateurs.
24 secondes encore à la pénalité. Voilà Kirk Muller qui a marqué le deuxième but du Canadien. C'était son dixième des présentes séries. Sept mentions d'assistance également. Et ce gars-là est vraiment une inspiration depuis le début de la saison. C'est un leader. Et je pense qu'il faudra lui casser les deux jambes pour l'arrêter de jouer. Hein. Voilà. La nuit tombe sur Montréal, mais il pourrait y avoir du bruit toute la nuit. Mais les forces policières ont doublé, sinon triplé. Il y aura des services publics de transport public, d'autobus jusqu'à 2h45 pour la rive sud de Montréal. Et le métro sera ouvert plus longtemps. Quoi qu'il en soit, les Montréalais qui sont ici sont au courant de ce qui se passe. Ça a été annoncé, placardé dans les journaux, si jamais le Canadien gagnait ce soir. Voici... McSorley le long de la rampe, perd la rondelle, elle revient à Sedor, il harponne devant le but, là on la lui remet, un lancer qui est bloqué par Donnelly qui le couvrait, là c'est Coury, pénalité terminée, un tir de Sedor qui est bloqué par Keane, et là c'est Kirk Muller qui reprend, Muller tente une passe qui est longue mais Coury devançait tout le monde et il passe ensuite à Donnelly contré par John McClair, rondelle libre chez le Canadien, prise par Matthew Schneider. Schneider par la rampe. Il va d'un dégagement jusqu'à Hardy. On est à mi-chemin dans le match. S'il n'y a pas de prolongation, c'est 2 à 1 pour le Canadien. Une passe qui va à Coury. Conacher s'en va devant le but. Le tir. Il a raté la cible de peu sur le côté gauche. On a le prise par Hardy. Il la redirige devant le filet. Et Roy tombe à la renverse. Fait mine d'être légèrement ébranlé où il l'a été par Conacher. Est-ce qu'il y aura pénalité maintenant? Ça dépend de M. Gregson. Voilà Gaétan Lefebvre, le soigneur, qui s'amène à toute vitesse. Pendant que Demers esquisse un peu d'inquiétude. 9 minutes et 51 secondes de l'autre. C'est la toute fin de la pénalité, la dernière poussée de Conacher. On va revoir la séquence. Ici, le tir exécuté, l'arrêt, il y a eu une chute. Et voilà le jeu. Probablement une élongation. On va surveiller de cette prise de caméra. Il surveille la façon dont il va tomber. Élongation musculaire. T'as vu le capitaine, hein? T'as vu comment il était tombé aussi. Ça ressemble un peu à la chute qu'il avait faite contre les Islanders de New York. Mais il avait trouvé tous ses moyens. Oui. Assez rapidement. Et qui doit être nerveux, c'est lui, André Racicot, qui est le gardien de but substitut à Patrick Roy. Ce qui amène un peu de repos également à sa formation, qui venait travailler en désavantage numérique. Ouais. C'est du vieux Roy, ça. Là, parce que chez les Kings, il est roi pareil. On peut le juger de la sorte. Ouais, ouais. 9 minutes et 51 secondes à la période. Je ne sais pas, en début de match, j'ai un grand écart semblable aurait peut-être pu lui faire mal à l'aile, mais il est chaud comme il est, le musculairement. Ça me permet d'en douter. Quoi qu'il en soit, on prend la gauche de Roy. Carson est là avec Paul Di Pietro. Alors, Carson a été utilisé. Plus souvent qu'autrement depuis quelques temps. Roy s'amène dans le cercle de mise en jeu et donne quelques directives à Paul Di Pietro pour la mise en jeu, à John McClair également, parce qu'il a peut-être vu quelque chose là qui le dérangeait. On sait que Carson tire au but rapidement souvent sur les mises en jeu, alors il a peut-être dit au gars, rangez-vous de côté un peu parce que je veux avoir la vue complètement dégagée. Voici Hardy. Il ne peut capter la rondelle prise par John McClair. McClair veut couper vers l'intérieur, c'est fait le tir en l'air. Ce gars-là, le vent dans les voiles, vraiment inspiré. Il est venu encore frapper à la porte. C'est lui qui a la rondelle. Au prise avec Charlie Hardy qui l'a lui fait perdre. Pénalité d'annoncer. Hardy sera chassé. Et là, il y a Souchot qui veut s'en prendre à Di Pietro. Et ça ne va pas plus loin. Quoi qu'il en soit, le Canadien aura l'avantage d'un homme. À moins que Gregson ait décidé de sévir davantage. 2 à 1 pour le tricolore. 9 minutes 32 à jouer en deuxième période. Il y a eu la mise en échec sur Charlie Hardy qui a semblé blessé. Claude était là en se relever. C'est Hardy qui s'en va au bord. Hardy surprise en défaut. Hardy qui a voulu s'en prendre à Di Pietro qui avait frappé solidement Hardy. Alors pour Di Pietro, lui, il se retire. Il aura avantage numérique. Mais quel jeu de la part de John Leclerc. On va revoir la séquence ici. La mise en échec sur Charlie Hardy au départ. Et Hardy, c'est là que Hardy... revenir sur Paul Di Pietro. Une gauche au visage du petit Paul. Mark Hardy pour avoir retenu le bâton de Paul Di Pietro. Alors 0 en 4 Los Angeles, le Canadien 0 en 2 sur son avantage numérique.
Kurt Muller fait son enfouce. Brian Billows, Brisebois et Desjardins les arrières pour le Canadien. Conacher est là avec Granato, Huddy et McSorley. On lève les coudes très rapidement. Hein. Dès que quelqu'un s'approche d'un autre joueur, le coup d'élevé. Un tir de Desjardins qui rate la cible, la rondelle bondit jusqu'à Danfous qui passe à Brisebois. Un lancer qui est bloqué par McSorley, dégagement annulé par Brisebois. Vers Danfous et Muller qui ne peut compléter. Le disque est libre dans le coin, il appartient à Charlie Huddy. Huddy sort la rondelle de chez lui, le voici au centre, il perd. La rondelle est renvoyée chez les Kings. Kurt Muller sera le premier rendu. Huddy demande l'échec. Muller veut se relever, a de la difficulté à le faire. La série prise par Danfous. Une passe qui vient jusqu'à Brisebois. Il la renvoie vers Danfous qui la laisse filer vers Bellows dans le coin. Il y a eu un peu de confusion là entre tout le monde. Là. Ici, c'est Desjardins qui annule un dégagement. Il s'avance davantage. Il lance, c'est bloqué par Rudy. Ne cède aucun retour parce qu'il y avait Muller qui arrivait devant. Et assez rapidement, merci. Et tout a commencé avec un excellent jeu de Kurt Muller derrière le filet. Claude a accepté la mise en échec pour pouvoir par la suite glisser et garder possession de la rondelle devant lui. Alors, et les dernières séquences qui ont suivi. C'est Bellows et puis Desjardins qui renvoie la rondelle vers Kurt Muller. Alors, Desjardins entrée, lui, après avoir intercepté le jeu, le tir puissant et Rudy fait l'arrêt. Avec difficulté, mais peut capter le disque par la suite sur le retour. Pour un gars qui est blessé au genou et qui était certain de ne pas jouer ce soir, Charlie Huddy, Gilles, impressionne. C'est lui, oui. Ouais. On va reprendre à la droite du filet de Kelly Rudy. 1 minute et 19 secondes à l'infraction de et les fantômes ont des frères, Gilles, oui. Et des belles-sœurs. C'est Madame Henri Richard. 11 Coupes Stanley, comme le record de 10 victoires consécutives en prolongation, ne sera jamais battu. Celui des 11 Coupes Stanley d'un joueur tel Henri Richard, je ne pense pas qu'on soit à la veille de voir ça égalé comme record. Il reste encore 1 minute 4 secondes à l'avantage numérique du Canadien. Voici Brisebois du côté gauche pour Leclerc. Leclerc jette un coup d'œil, aperçoit Keane derrière le mot, le tir de but! Quel joueur! John Leclerc à gauche, la longue passe bien acceptée, longue aperture, la passe bien récupérée pour le bout. Keane a fait un bon travail aussi, acceptant la première passe de Leclerc, qui a jeté un coup d'œil, qui a repéré Keane au centre. Aussitôt qu'il a accepté le jeu, savait que le bout l'accompagnait. Le jeu d'attirer des deux défenseurs, hein? C'est son troisième match. Dès que le Canadien s'approche du but, il force les avants à se replier davantage parce que les défenseurs sont souvent plus au dépourvu. Voilà la foule présente, celle qui a encouragé le Canadien ici même au Forum lors des matchs 3 et 4 alors que les matchs de Los Angeles étaient présentés sur écran géant. Ben là, ils sont remerciés. Keane et Leclerc obtiennent des mentions d'aide. Le troisième de Lebeau à 11 minutes 31 de la deuxième période. Quand on dit que le Forum de Montréal, c'est la mecque du hockey, Gilles, on vient encore d'en avoir un bel exemple. Une rondelle qui tombe chez les spectateurs et on va reprendre en territoire des Canadiens. Il y a eu tant d'arrêts demandés par les Kings et par Melrose qui va essayer de reconcentrer son équipe. L'entraîneur des Kings, très jeune ce bonhomme. 34 ans. Dufresne est là. Première présence en deuxième période. Voici Donnelly à la poursuite du disque, il est retenu. Là, c'est repris par Mellon. Mellon qui tente une passe interceptée par Dion. Dion passe à Lehman. Lehman plus loin, où est Dion d'avancer. Il a hésité une fraction de seconde et la rondelle tombe chez les spectateurs. Il aimerait bien participer au pointage lui aussi ce soir, mais comme il le disait à son frère Marcel en première pause, au moins, on souhaite une chose et on en
On est très près de le réussir. Il y aura peut-être le nom de Dion inscrit sur la Coupe Stanley. Et ça, ça lui faisait un petit lourd de penser à son frère Marcel, qui a joué longtemps pour les Kings et les Rangers de New York. Et aussi les Red Wings de Détroit. Claude Lebeau a réussi son troisième, son premier avec avantage numérique. Keane et Leclerc à 11-31. Ils ont assisté. Une deuxième mention d'assistance pour John Leclerc. Voilà une rondelle poussée en zone du Canadien. Ce sera refusé si quelqu'un du Canadien premier touche à la rondelle. Voilà qui est fait. Dégagement illégal. Sandstrom a essayé de lancer Schneider, mais il est toujours à surveiller. Oh, oui, oh, oui. Il possède un très bon lancer. Et ce gars-là a raté des chances inouïes lors du dernier match. Oui. Aurait pu facilement donner la victoire à son équipe lors du match 4 à Los Angeles. Mais, que voulez-vous, la chance a joué contre lui. Voilà, Patrick Roy qui l'a arrêté souvent. Et il y a eu aussi la fameuse fois du clin d'œil. Il disait qu'il est dangereux parce qu'il est fort physiquement, ouais, ouais. Peut entrer au filet pour les retours. Il n'a pas peur de la circulation, lui, autour des filets. Voilà Carbonneau, un tir qui est bloqué par Rudy et on arrête ça là. Mise en jeu gagnée. Et Carbonneau peut bouger rapidement de son poste de centre pour venir prendre le tir. Donc, on parle longuement de ce clin d'œil de Roy vers Sandstrom, mais on ne sait pas ce que Sandstrom a dit à Roy auparavant, en passant tout près. Hein? Parce qu'on se parle sur la patinoire. Alors, Connacher ici a laissé Carbonneau une fraction de seconde. Et celui-ci a pu le contourner pour prendre de lancer un peu comme l'avait fait Kirk Muller contre Gary Coury, voilà, pour le premier but lors du dernier match. Alors, le joueur de centre se doit de demeurer, gagne ou perd, de demeurer avec son vis-à-vis. Il ne l'a pas fait. Et Rudy a sauvé sa formation avec un lancer par supérieur, bien bloqué. Ben oui, on parlait de clin d'œil tout à l'heure. On va vous le remontrer, ce clin d'œil. Surveillez Roy qui regarde Sandstrom avec l'œil de l'œil gauche. Et probablement que Sandstrom lui avait dit quelque chose juste avant que le clin d'œil ne survienne. Voici Granato. Granato, la passe qui va jusqu'à Robitaille, qui joue côté gauche cette fois. À Granato, le tir voilé par Degno, mais dévié par l'écran lui-même. Rondelle qui revient à Bellows. Il passe ensuite à Brisebois, à Kirk Muller, qui ne pourra compléter. La rondelle glisse en zone des Kings. C'est pris là par Jitnik. Jitnik pour Robitaille, contré par Bellows. Voici Jitnik. Passe qui vole dans les airs, qui touche Blake. Blake récupère. Blake en zone adverse. Derrière lui, Romain Granato. Le tir bloqué par Roy. Le retour qui appartient à Coury. Il a dû faire vite. Mais Muller également a bien réagi défensivement. Jitnik qui reprend. Un tir dévié par Granato, mais hors cible. Là, c'est Robitaille qui cherche à reprendre. Mais Degno le rejoint. Il réussit avec le patin à remettre à Granato qui la lui remet. Robitaille toujours avec Granato. Rondelle harponnée par Bellows jusqu'en zone neutre. Avec l'énergie du désespoir, il a réussi à dégager. Là, c'est Jitnik qui, du centre, lance derrière le filet de Patrick Roy. Il reste 6 minutes 56 à jouer en deuxième période. Canadien mène 3 à 1. On sait que Canadien mène également 3 à 1 dans cette série. Les Kings font face à l'élimination. Max Horley, une passe qui va à Reichel en zone neutre. Reichel perd la rondelle, se retourne, reprend et du centre lance derrière le filet de Roy. Roy place le disque pour Lionel Oudlein. Oudlein lance vers la zone neutre pour Brunet, qui passe à Muller. Ensuite, le tir qui va tomber à la gauche du filet de Rudy. Hardy est premier rendu avec Ronan. Les deux tombent. Hardy se relève, retombe sur Ronan et emprisonne la rondelle sous le poids des deux joueurs. Merci, messieurs. Alors, on reprend ici à la gauche de Kelly Rudy. Monsieur Trovelet, ça nous fera plaisir de vous écouter, de vous réentendre encore la saison prochaine et pour les trois prochaines saisons à la radio de Radio-Canada en compagnie de René Poitier. Là, c'est Lebeau qui a tenté une passe vers Danfous. Mais il ne faudrait pas oublier l'excellent travail du réalisateur François Étier, qui est le chef d'antenne de cette équipe radio. Un excellent réalisateur à la radio de Radio-Canada. Voici Max Horley. Max Horley au centre. Il lance jusqu'en zone du Canadien. C'est pris par Desjardins. Ne tarde pas. A bien repéré Danfous. Danfous dans l'enclave. Chez les Kings. Conserve. Il lance dans le fond de la zone par derrière le but. C'est pour King qui se profile. Rejoint par Max Horley. Max Horley lance. Laisse la rondelle passer derrière lui. Et c'est Danfous qui cherche à reprendre. Melen est là. Max Horley met en échec. Max Horley récupère le disque et passe devant son but à Jitnik qui relaie le disque ensuite à Granato. Pour Donnelly, interception Schneider qui la rabat à la ligne bleue des Kings pendant que le Canadien effectuait des changements. Voici Hardy,
devant le bas des pénalités. De là, il lance près du filet de Roy. C'était pour Souchard, contré par Éric Desjardins, qui attire dans l'air, remonte ensuite à Degno. Il contrôle bien, c'était non pas Degno, mais Gilbert Dionne. Là, c'est Dionne et Di Pietro qui rentrent en zone adverse. Di Pietro tourne le dos à l'action et remet à Dionne, mais il n'a plus capté la passe. Il la surveillait du coin de l'œil. Là, c'est Lehman avec Di Pietro dans le coin et en pilage. Randel Chris vers l'hôpital qui aussitôt la refile à Gary Souchard. Souchard. Du côté droit, rentre chez le Canadien, il lance de loin, le disque tombe derrière le but. C'est pris là par Patrice Brisebois, qui prend bien son temps. Il remet ensuite à Paul Di Pietro et à Dionne. Dionne est rappelé au banc, il lance de loin. Et voilà le changement qui se prépare et s'effectue au banc du Canadien. Là, c'est Sidor, attrapé par Carbonneau. Il veut lancer chez le Canadien, interception de Brisebois, qui renvoie vers Carbonneau déjà contré. Ici, c'est... Roman qui plaque Sedor, récupère le disque, il le perd à nouveau. Sedor qui repart avec la rondelle, Romain Robitaille en retrait pour Sedor. Il capouille mais récupère. Encore pour Robitaille. Du côté gauche, derrière Aliari Kouri. Robitaille s'en va dans l'enclave, mais la passe est interceptée par Carbonneau. Avec 3 contre 2, Carbonneau en tête. Brunet. Brunet pour Carbonneau à nouveau. Il lance, mais c'est bloqué. Le retour appartient à Brunet. Contourne le but sans toutefois contrôler la rondelle. Jitnik tombe, il la renvoie vers Carbonneau, mais elle était dans les airs et le capitaine ne l'attendait plus. Voilà, Brunet dans le coin avec Ronan, le long d'avant, aux prises avec Play. C'est Brunet qui repart avec la rondelle. La passe arrière est interceptée par Kouri. Il fait un relais du côté droit, c'est pour Thomas Sandstrom. Sandstrom lance, puis le disque dévie sur le bâton et tombe chez les spectateurs. 3 à 1 Canadien, 3 minutes 53 jouées en deuxième période. Voici Schneider, il lobe le disque à la ligne bleue des Kings. C'est pris par Blake qui relaie la rondelle à Jitnik. Aussitôt vers Reichel qui s'en va seul. Reichel est rattrapé par Oldline, beau repli. Un tir qui est dévié ici par Reichel, celui de Granato. Et Roy a bien tenu le coup. Contre-attaque de Bellows, encore sur une passe de Leclerc. Bellows coupe vers l'intérieur, le tir qui est bloqué par Rudy et Leclerc. Ça venait pour récupérer la rondelle que Rudy ne contrôlait pas parfaitement. Et Bellows a pu soulever le disque d'une seule main, Claude, ouais. En coupant à l'intérieur. À la gauche du filet, reprise Lebeau qui n'a pu gagner cette mise en jeu devant Parnacker. Voilà une passe qui va jusqu'à Souchard. Une autre qui est touchée dans les airs par Jimmy Carson, retenue par Dufresne. Deuxième présence de Dufresne dans cette période. C'est lui qui reprend devant son but. Tente une passe annulée par Souchard. Une autre, interception de Dufresne. Beau travail. Dufresne, dans la rampe, tente une passe qui a sauté par-dessus la baie vitrée. Alors, hors jeu automatique. N'a pas pris de chance. Il s'est arrêté son premier jeu, Claude. Camille Dubé est en compagnie d'une charmante épouse de joueur. Je pense que c'est Mme Lebeau. Camille. Eh bien, un peu plus tôt dans la deuxième, Stéphane Lebeau a donné l'avance de 3-1 aux Canadiens et chez les spectateurs, il y a une spectatrice qui était heureuse, Chantal Poulin. Tu l'as bien vu, le but de Stéphane? Oui, on l'a très bien vu. Mon beau-père était à côté de moi et on s'est sauté d'un bras. On était très heureux. Stéphane le mérite bien. Tu nous avais fait une prédiction pour la prolongation à Los Angeles. C'est venu près. Tu n'avais fait une autre ce soir? Oui, je t'avais dit, Camille, que Stéphane comptera un but et... J'espère qu'il va en compter d'autres parce que c'est pas fini. Il te fait peut-être des... Est-ce que sa cheville le fait toujours souffrir? Disons qu'on ne parle pas beaucoup de hockey à la maison, donc je pose pas de questions sur sa cheville. Bien, félicitations pour Stéphane et tu le partages beaucoup. Merci. Voici Keane et Danfous. Oh, Danfous qui vient faire une passe devant le but. Heureusement pour Rudy, il n'y avait personne sur sa droite. La rondelle est libre, mais Degno amorce tout de suite son repli parce que Souchard aurait pu se démarquer plus rapidement que prévu. C'est sage de sa part. Là, c'est McSorley, mis en échec par Keane. Rondelle qui revient jusqu'à Cronacker, plaqué à son tour par Lebeau. Ici, c'est Brisebois qui, du centre, rentre la rondelle chez le Canadien, chez les Kings. Cronacker, à la droite du filet de Rudy, une passe pour Marty McSorley. Devant Dionne, il passe à Di Pietro, à Dionne ensuite. Le tir est hors! Quel arrêt! Di Pietro et Rudy! Oh! Arrêt exceptionnel, Claude. Sorti de zone, raté Dionne qui arrête du disque. Passe parfaite, le problème de Di Pietro. Oui, Di Pietro. On va revoir la séquence. Le jeu intercepté, la passe bien exécutée. Et surveiller le jeu de Kelly-Rudy. La modèle qui vient s'emprisonner sur sa jambière. On va revoir de cet angle ici, caméra en plongée. Le passe le disque entre les jambières. Juste immobilisé sur la jambière droite. C'était pas un arrêt en papillon, c'était un arrêt d'arçon, Gilles, parce que là, il y avait l'ondelle. L'envergure était très grande. On voit la droite du filet de Kelly Rudy. Di Pietro à la mise en jeu devant Yari Kouri.
19-14, les tirs au but favorisant le Canadien. Voici Schneider, un tir du poignet qui est bloqué par Rudy. Et on ne prend aucun risque cette fois. Et Pietro est toujours aux alentours. Il a vu quitter son poste aussitôt qu'il a pris la mise en jeu. A quitté pour la façade du filet. T'es là pour ennuyer encore une fois. Rudy devait être gardé de 10. C'est pas le plus gros, Gilles, non? C'est probablement le plus petit sur la patinoire ce soir. Des deux équipes, en tout cas. Les enjeux gagnés par DiPietro devant Rudy. Le tir de Schneider bloqué encore par Kelly Rudy. Voilà, pas plus loin. Qui est là? DiPietro et Lehman. Après avoir gagné sa mise en jeu encore une fois, son travail pour la façade du filet. Deux games en territoire adverse avec 2 minutes 10, mise au jeu importante. Et il a fait face au meilleur pour les mises en jeu. Hein? On surveille DiPietro qui a été accroché. Il a fait face au meilleur pour les mises en jeu. Yari Kouri et Conacher, entre autres. Conacher excelle à ce chapitre chez les Kings de Los Angeles. Et Kouri, ben, inutile d'en parler. Je pense que ça a été un des meilleurs dans la Ligue nationale pour réussir à gagner les mises en jeu. Canadien vient de se donner plusieurs tirs, Claude. On avait que 6 il y a un moment. En ont maintenant 11. Gilles, les meilleurs joueurs de centre que tu as connus n'étaient pas nécessairement les meilleurs joueurs pour les mises en jeu. Hein. Non. On pense à notre camarade Jean Béliveau. Il serait le premier à l'avouer. Il avait des difficultés là-dessus, je pense. Il est devenu, à ses débuts, il est en difficulté. Ben oui. Voici Hardy, un tir qui a été bloqué. C'est repris par John Leclerc. Leclerc maintenant, d'une seule main, parvient à sortir la rondelle de chez lui. Il tentait une passe vers DiPietro. Elle lui revient encore. Leclerc, rejoint par Kouri, tombe, passe à DiPietro. Le tir, oh! Un bel arrêt de Kelly Rudy et beau lancé. Tout ça à l'origine, c'était Leclerc encore. Voici Robitaille. Au centre, une passe sur le flanc gauche. Annulé par Bellows, la sienne ira à Leclerc. Leclerc, deux hommes sur le dos. Damien reprend la rondelle et lancé dans le fond de la zone des Kings. Ça deviendra également refusé aux Canadiens. Il reste 1 minute et 26 secondes à la deuxième période. Canadien mène par 2 buts. C'est 3 à 1. Lorsqu'on parle de Béliveau, il y a peu de choses qu'on pouvait lui reprocher en carrière. En début de carrière, oui. Il a quitté la Ligue du Québec. Alors, il fallait s'adapter. Mais ça n'a pas pris quand même de temps. C'était pas le grand spécialiste des mises en jeu, tel un Phil Goyette, par exemple. On va dire qu'il les perdait toutes, mais il était pas le meilleur de son équipe. Hein. C'est pas sa plus grande force. Voilà Denis Savard. Il dit se plaire derrière le banc du Canadien de Montréal avec Jacques Demers. Il a le sentiment de participer à chacune des victoires de son équipe. Et il aura son nom parce qu'il a joué dans un match la finale, le premier. Il aura son nom si jamais le Canadien gagne sur la Coupe Stanley. Voici Carbonneau. Une passe que Ronan ne peut compléter. Il revient à Carbonneau après interception brève de McSorley. Là, c'est Reichel qui récupère cette rondelle perdue et lance derrière le filet de Roy. Roy cède le disque aussitôt à Schneider et Carbonneau. À Kirk Muller. Muller plus loin, c'est pour Ronan. Ronan en zone adverse. Un relais que Carbonneau pourra compléter légèrement en retard sur le jeu. Voilà Gretzky. Mise en échec par Carbonneau. Le jeu capitaine et moins d'une minute à jouer. Une minute plus précisément. À la deuxième période. Les Canadiens mènent 3 à 1. 22-14 les tirs au but. On craint bien que le Canadien, comme à Los Angeles, soit un petit peu plus joue avec un peu moins de force et de vigueur en deuxième période. Hein. Mais au contraire, nous avons changé le style. Voilà. Fermé le centre de la patinoire, avec l'exception du but de McSorley, qui est entré en plein milieu lorsqu'il a appuyé l'offensive. Il était difficile d'obtenir des tirs de l'enclave. Voilà. Alors, on peut des tirs de loin ou encore des tirs qui avaient des angles difficiles. On les force à jouer le long des bandes. Hein. En première période, peu de chance pour les Kings d'entrer en territoire à tout contrôle parce qu'on brisait le jeu en territoire neutre. Voilà McSorley, un lob qui tombe chez le Canadien au match Desjardins qui a mené à Deigneault ensuite jusqu'à Brunet qui se contente de pousser le disque en zone neutre. 45 secondes encore à la période. En zone neutre toujours, c'est Muller qui, avec le patin, rentre la rondelle chez les Kings. Repoussé en zone neutre et Brunet de là, refoule les Kings dans leur zone. On a fait sauter les patins de Keane. La foule proteste, mais il n'y aura pas d'infraction. Voici McSorley. McSorley, auteur du but des Kings, rentre chez le Canadien. Le tir qui dévie sur le bâton des Jardins tombe devant Kirk Muller qui récupère. Muller maintenant rejoint le long de la rampe par Sandstrom, tombe à genoux sur le disque et l'immobilise. 20 secondes et 8 dixièmes à jouer dans cette deuxième période. Et le Canadien mène par 2 buts. Et on aura bien sûr le commentaire de Mario Tremblay tout à l'heure qui décernera ses bleuets.
corps est flétri. Et l'analyse de Pierre Bouchard. Lui doit être nerveux, Gilles. Oui. Jacques Demers. On sait qu'il a déjà lancé ses lunettes sur la glace après une défaite à Détroit lorsqu'il pilotait les Wings. Il fait n'importe quoi pour encourager son équipe à plier ses joueurs. Et là, ce soir, c'est bien la Coupe Stanley. J'ai hâte d'entendre ses premiers commentaires. Voici Carbonneau. Carbonneau, une passe qui va jusqu'à Bellows. Bellows, l'homme le disque en zone 2, 10 secondes encore. C'est Blake qui récupère, il perd. Et du centre, c'est Kurt Muller qui renvoie les Kings chez eux. Et les applaudissements qui fusent de toutes parts. Voilà qui est fait. La période est terminée. Et c'est Canadiens qui mènent par 2 buts. Début de la 3e période. Cette mise en jeu vous est présentée par Podium Sport pour le service et le choix. Chez nous, le sport, c'est Podium. 3e et peut-être dernière période. Voici Charlie Huddy. Une passe dirigée du côté gauche. Elle revient de Sidor vers Huddy. Interception de Leclerc. En retrait, passe à Dufresne à Kurt Muller. Chez les Kings, Muller. Tente de relais vers Leclerc, c'est fait. Devant pour Bellows, il n'a pu faire le ricochet voulu. Rondelle a remis plus loin par Éric Desjardins, mais prise par Sidor. Sidor fait une passe pour Corey Millen, qui est forcé de se replier chez lui. Fait une chute. Il repart de plus belle avec une passe dans la gauche. Une autre qui trouve pas preneur. Interception de Bellows, qui attend la sortie de Leclerc pour entrer chez les Kings. Pendant, il y avait des changements préparés par Jacques Demers. Darryl Sidor lance de loin jusqu'à la droite du filet de Roy. Et c'est un dégagement qui est refusé aux Kings. On va reprendre près du filet de Kelly Rudy. On a des changements très rapides du côté du Canadien. Il faut 37 secondes et on a compris 5 changements dès le départ. C'est pour éviter la fatigue, Gilles. Sans doute. En voilà une qui était très souriante à Los Angeles. C'est Mme Janet Gretzky. Mais là, je vous jure qu'elle affiche un visage plutôt triste. Et pour cause, on ne pensait pas que les Kings tireraient de l'arrière après être venus chercher une première victoire lors du premier match sur le Canadien. Et M. Wayne est sur la patinoire. Le tir, oh, ça a été voilé par Ronan, mais bloqué par Rudy. Voilà Carbonneau. Il lance pour Brunet derrière le but. Brunet maintenant sait que Ronan est contré par deux. Il revient à la chance. Le tir qui est bloqué. Carbonneau prend retour. Carbonneau, le long d'avant, avec Gitlick à ses trousses. Passe à Ronan qui ramène la rondelle dans le coin. Brunet est là. Brunet passe pour Carbonneau. Carbonneau avec Gitlick toujours. Gitlick fait tomber Carbonneau. Se retourne, prend la rondelle, fait une passe que Reichel ne peut compléter. Et ça constitue un autre dégagement. Mais Roy se doit de réagir rapidement et revenir vite devant son but. Parce que là, ça se fait menacer de toucher le premier à la rondelle. Voici Oldline. Sa passe est interceptée par Reichel. La dirige vers Gretzky, retenue par Carbonneau. Schneider maintenant passe à Ronan. Il frappe le disque qui dévie jusqu'à l'autre extrémité et ça deviendra un autre dégagement qui sera refusé, mais cette fois au Canadien de Montréal, même s'il y a des protestations chez les spectateurs. 3-1 pour le Canadien à 18 minutes 22 de la fin de la période. Est en place Claude en deuxième période, Gretzky 8-49, 4-31 pour Carbonneau et 9-12 pour Kurt Muller. Le total 16-44 Gretzky, 10-09 Carbonneau et 15-18 pour Muller. Les chiffres des lancers, Claude Gretzky dans le match n'a pas de tir au but jusqu'à là. Lors du premier match, il en a obtenu 5. 1 dans le deuxième, 2 dans le troisième, 6 dans le quatrième. Et ce soir, eh bien, il n'en a pas obtenu dans les deux premières périodes. Mais attention, on l'a déjà mentionné. Il peut avoir des aides. Hein? Oui, oui. Peut être à l'origine de tous les buts. Une passe devant là, que le gardien se doit de reprendre parce que Mick Sorley n'a pas su profiter du bon sur la rampe. Rondel qui est prise par Coury, la passe à Robitaille. Robitaille rentre en zone adverse sans toutefois contrôler la rondelle qui est reprenée par Brisebois jusqu'au centre. De là, c'est Hardy qui relance le disque en zone du Canadien. Voici Brisebois jusqu'à Keane. Lance en zone des Kings. C'est Mick Sorley qui récupère pour passer à Hardy. Ensuite, à Yari Coury. Coury, une passe pour Granato. Granato lance, c'est bloqué par Roy, retour Brisebois, il attire Robitaille et Granato qui intercepte son relais arrière, mais la sienne est prise par Dufresne. Il la passe ensuite jusqu'à Danfous, qui lance jusqu'à l'autre extrémité, et c'est un autre dégagement refusé aux Canadiens cette fois. On en a déjà vu que Roy jusqu'à maintenant, donc, oui. On a 2 minutes et 31 secondes, on a découlé. Voilà des gros plans
qui en disent long. Ouais. Peut-être un peu silencieux, mais c'en est un, ça, qui peut vous faire mal. Oui, monsieur. A déjà gagné 5 Coupes Stanley avec les Oilers d'Edmonton. Et, demeure bon patineur, oui. Bon marqueur. Un gars qui peut jouer avec beaucoup de finesse et qui peut être une inspiration pour le reste de l'équipe. Il y a des jeunes qui ont besoin de catalyseurs comme Gretzky, comme Cooley. On n'a qu'à penser à Robitaille, même s'il a marqué 63 buts et qu'il est dans la Ligue depuis longtemps. C'est sa première participation, comme plusieurs autres, à une finale de la Coupe Stanley. Renato et Dufresne bougent trop tôt. On va reprendre à la gauche du filet de Roy. Muller à gauche, mais Granato s'est faufilé. Voici Di Pietro. Dégagement annulé par Sedor, dont le tir rate la cible. La rondelle est libre à la gauche du but. Mise par Dufresne, une passe qui va jusqu'à Kurt Muller. Muller est contré par Charlie Hardin, mais s'empresse de lancer dans le fond de la zone après être sûr d'avoir bel et bien franchi la ligne rouge pour éviter que le dégagement soit refusé. Voilà Dion pour Lehman. Un tir qui a rapide filet. Un beau lancer du poignet cependant de Lehman. Là, c'est Conacher qui dégage jusqu'à l'autre bout. Dégagement qui ne sera pas refusé. Schneider derrière son but. Schneider du côté droit, une passe qui va jusqu'à Éric Desjardins, une autre pour Di Pietro. Défie la rondelle plus loin pour lui-même, mais c'est recouvré par Charlie Hardy qui passe à Gretzky aussitôt vers Sandstrom, mais trop long. C'est Oldman qui reprend à la droite du filet de Roy. Voilà un lob qui tombe devant le ball et King, ce n'est pas refusé. Chitnik vient chercher le disque chez lui. Demain, ça va plus pour faire des changements qui sont très nombreux et les changements se font rapidement. C'est toujours dangereux. Tout faire prendre, Claude, avec un joueur en moins ou un joueur en trop. Ça peut donner une échappée ou encore une pénalité. Voici Jitnik, c'est une arme à deux tranchants. Il lance à la droite du filet de Roy, de très loin. C'est pris par Ryan O'Brien. La foule se met de la partie. Voilà Schneider qui perd. La rondelle lui revient ensuite sur l'interception de passe de Donnelly. Schneider transporte la rondelle plus loin pour Carbonneau en zone des Kings. Carbonneau maintenant. Rentre pour Roman, le tirant. Il a visé la partie supérieure, avait battu le gardien du côté de la mitaine. Il a visé trop haut cependant. La rondelle revient jusqu'à Schneider. Une passe pour Ed Ronan. Ronan en zone adverse. Ronan toujours. Pousse le disque plus loin pour lui-même, mais ne pourra le rattraper. La rondelle appartient au gardien. Il enfile aussitôt à Luc Robitaille. 3 à 1 Canadien, 15 minutes 40 secondes à la période. Yari Kouli lance à la gauche du filet de Roy. Kouli à la poursuite du disque est pensé par Deniot. Kouli reprend pendant. Passe vers Robitaille. Mise en échec par Brisebois qui tente un dégagement annulé par Hardy. Il a envoyé Robitaille derrière le but. Le devant, c'était pour Kouli. T'avais bien vu plus tôt, Gilles. Et finalement, ben, on l'a empêché de récupérer cette passe. Le commissaire Gary Bettman, qui est venu déjeuner à Los Angeles avec tous les journalistes un matin, et a serré la main à tout le monde qui se présentait au petit déjeuner de la Ligue, leur disait, vous m'appelez Gary, laissez faire les messieurs, sans ça je ne réponds pas aux questions. Un bonhomme très sympathique. Voici Bellows dans la droite. Bellows lance de loin, oh, difficilement bloqué par Rudy. C'est Leclerc qui reprend, il passe vers Kurt Muller qui ne pourra compléter. Voilà le bulldozer qui se déplace encore. Leclerc, plaqué par Chouchot qui tombe. Là, c'est Deniot qui reprend. Deniot s'avance, le tir qui dévie sur Leclerc. Revient à Kurt Muller, mais beau plongeant de Rudy qui a reponné la rondelle dans le coin. Leclerc revient à la charge, McSorley lui barre la route. Il n'y va pas de main morte, il y a une preuve de force entre les deux. McSorley et Leclerc toujours qui se retiennent. La rondelle est dans le coin opposé. C'est Kurt Muller qui manœuvre aux dépens de Kelly, de Yari Kouli, pardon. Kouli. Tente de reprendre la rondelle, Muller l'en empêche, la déplace avec le patin vers Bellows, qui la renvoie derrière le but, là où McSorley le premier rendu. McSorley tente de l'égagement, la rondelle revient dans la pilade entre Hardy et Muller. McSorley plus loin, il est menotté par Leclerc, qui le fait tomber, Leclerc tombe ensuite, mais sa passe devant le but est interceptée par Luc Robitaille. Il est fort et surprenant ce Leclerc. Voilà McSorley, McSorley de loin, il lance à la droite du but de Roy, qui fait des six avantages dans le coin. C'est repris maintenant par Brisebois, qui lance jusqu'en zone neutre. Muller et Hardy se retenaient depuis la dernière séquence de jeu en zone des Kings. Et c'est McSorley qui est venu plaquer Muller à sa sortie de la patinoire. Voici maintenant contre-attaque de Carson qui a passé jusqu'à Darryl Sedor. Sedor, le défenseur, en attaque. Sedor veut déjouer Desjardins. N'y arrive pas. Il est aidé de Dufresne qui veut dégager. C'est complété par Dorfus jusqu'à la ligne 2 des Kings. Tony Granato reprend.
Une passe qui va jusqu'à Darryl Sidor, qui est venu se replier. Sidor devant Dorfus. Dribble bien devant Dorfus. Une passe qui touche le beau. Tente de s'évader, mais Huddy est venu lui barrer les avant-bras pour l'empêcher de prendre le parfait contrôle de la rondelle. 3 à 1, Canadien. Huddy fait des biens en zone adverse. Dorfus lui barre la route. Dufresne reprend la rondelle perdue. Tente une passe, c'est pour Dean, mais elle tombe chez les spectateurs. Il a frappé trop fort sur la débilité. Avec le temps voulu ici pour une belle sortie de zone avec un allié complètement ouvert à sa droite. Un peu de nervosité de l'autre, n'a pas pris de chance. Pas voulu utiliser la dévitrée et du même coup, pas lancé chez les spectateurs. Gerhard Berger, le Grand Prix Molson, c'est en fin de semaine à Radio-Canada. Un gars qui en a vu d'autres au point de vue athlétique et réflexe. Il compose avec la vitesse énormément. Alors, il y a eu une mise en échec, un contact assez sévère. Surveille McSorley qui s'enlève pour un remplacement sur Gerd Potter. Et dans l'ensemble, Claude, on a parlé de Gregson en début de match. La première période n'a pas été sa meilleure. A bien fait en deuxième. J'ai bien hâte de voir par la suite s'il pourra garder le contrôle en troisième. Leclerc, McSorley, Souchok. Tout le monde l'essaie, hein? Tout le monde a travaillé rude le long de la clôture, mais on demeure quand même dans la légalité jusqu'à ce moment. Il est en train de se tailler une très belle réputation, ce John Leclerc. Et en voilà un qui a jamais de rudesse lorsqu'il manie le bâton. Lui, c'est Craig Stadler, qui nous a-t-on dit, c'est Brian Eckblom qui est ton vis-à-vis chez les Kings de Los Angeles à la radio. Il disait qu'un jour, il a mis fin prématurément à un tournoi avant même de faire d'être sûr de ne pas faire la coupure pour retourner voir un match des Kings. Alors, t'imagines, il faut aimer le hockey, hein? Et il a sa place à bord de l'avion du Los Angeles. Voici Sandstrom, qui a couru devant Carbono. C'est Jitnik qui reprend. Jitnik tente une passe annulée par Ronan, qui a joué un très bon match avec Carbono ce soir, Ed Ronan. Carbono brise son bâton et retourne au banc et demande un remplaçant. Paul Di Pietro saute aussitôt sur la glace. Carbono s'est fait mal, Gilles. On le voit en douleur au banc du Canadien. Il y a Gaëtan Lefebvre qui est à son chevet. Et voici Lackle qui lance en zone du Canadien, c'est pris par Oudline qui tente de sortir la rondelle de chez lui, elle lui revient. Il passe ensuite à Benoît Brunner, attrapé par Gretzky en repli. Gretzky passe à Jitnik, ensuite à Souchok. Souchok tente une passe vers Blake. Il se compromet et est forcé de revenir en zone neutre. Blake recule, il passe à Hardy. Hardy de loin, un tir qui longe la rampe, qui va derrière le filet de roi, qui le set à Schneider, qui va dans le dégagement jusqu'à l'autre extrémité. Dégagement qui sera refusé au Canadien de Montréal, qui mène 3 à 1 avec 12 minutes 14 à jouer en troisième période. Alors voilà Gerhard Berger en plein centre de l'écran, champion 92 du Grand Prix Molson du Canada. Le championnat ou le Grand Prix 93 vous sera présenté samedi et dimanche au réseau français de Radio-Canada. C'est à 13h et 13h30, je pense, avec Jean Pagé, Jacques Duval, toute l'équipe des sports de Radio-Canada. Voici Déniaud, une passe pour Dion. Il la ramène en zone neutre aussitôt là où Donnelly reprend. Donnelly lance à la droite du filet de Roy. C'est Brisebois qui est le premier rendu. Brisebois rattrapé par Millen. Il l'attire davantage. Il lance en zone neutre. McSorley intercepte. McSorley tombe et en tombant réussit une passe à Donnelly. Une autre qui revient à Millen. Millen, un relais qui touche le patin de Muller qui revient à Hardy ensuite. Hardy perd. Souchok passe vers Millen qui a passé la passe. Là, c'est repris derrière le but par Donnelly. Donnelly lance, c'est bloqué par Roy. Retour devant le but. C'est Muller qui le balaye avec son patin de la façade du but. Il passe à Dion. Dion va s'échapper. McSorley le rattrape et Dion lance. C'est bloqué partiellement par le gardien. La rondelle vole dans les airs et McSorley récupère. Il accroche Dion qui remet devant pour Di Pietro qui n'a pu faire dévier. Voilà Lehman, un tir qui est bloqué par Rudy. Et là, il ne cède aucun retour. Oh, c'est venu près d'un côté comme de l'autre. Belle touchée de la part du gardien. Beau tir par le supérieur. Bien bloqué par Rodé. Et par la suite, c'est Lehman qui en a profité d'un angle un peu plus fermé. Un tir solide également. Un tir sec à sa gauche. On revoit la séquence ici. Par le supérieur et partiellement bloqué. La rondelle qui va venir tomber à sa droite. On revoit d'un angle différent la force du tir et son jeu. Il n'avait pas le plein contrôle de la rondelle. Je ne savais pas où était le retour. Heureusement que McSorley arrivait tout près de lui. Et voilà une foule enthousiaste qui a hâte que les 11 prochaines minutes et 22 secondes soient écoulées, terminées. Et qui souhaite que le Canadien tienne le coup jusqu'à la fin. Le jeu reprend. Voici Leclerc derrière le but.
aux prises avec Huddy, rejoint par Sidor. Il se démarque, revient devant, mais ici, c'est une passe ou un tir qui n'a pas atteint la cible. Il barre la route à Robitaille. C'est Sidor qui récupère. Sidor passe à Robitaille, flanc gauche. 3 à 1 Canadien. Robitaille, une passe pour Granato. Il récupère, relance vers Robitaille qui laisse la rondelle aller jusqu'à Jimmy Carson. À Charlie Huddy, le tir divise sur le bâton de Bellows et revient encore à John Leclerc. Leclerc accroché, tombe. Mais la rondelle est sortie par Éric Desjardins chez lui. Il y avait Bellows qui annonçait l'échappée, mais on a pu contrôler parfaitement et faire une passe idéale. Là, c'est Bellows qui reprend alors qu'il est tout en maraude dans zone neutre. Jacques Demers préparait des changements. Voici Robitaille, en retrait, une passe que Huddy ne peut compléter, mais heureusement pour Huddy, Sidor était derrière. Il est mis en échec par le capitaine Carbonneau. Carbonneau qui plaque ensuite Robitaille. Carbonneau qui frappe tout ce qui bouge devant lui. Un tir de loin maintenant. Il était vraiment l'inspiration de ses coéquipiers au cours de ces séries avec Patrick Roy. Gretzky lance, la rondelle touche le patin d'un couvreur. Gretzky reprend, relance dans le coin. Roy est sorti de son but, fait une passe pour Carbonneau. Carbonneau prise avec Gretzky qui perd la rondelle ici à Brunet. Brunet rejoint par Sandstrom qui lui barre la route. Carbonneau et Cooley maintenant qui retenait le bâton de Carbonneau pour permettre à Blake de relancer l'attaque en sens inverse. Blake lance derrière le filet de Roy dans le coin. C'est pris la part à Oldline. Oldline maintenant prise avec Cooley qui fait une passe à Gretzky derrière le but. Gretzky, la passe devant. Cooley pourra compléter encore du beau travail de Carbonneau qui a repéré Brunet, bien filé la rondelle, rattrapé par Blake. Il tente de manœuvrer, pousser le disque plus loin, mais c'est Blake qui le fait avec le patin. Le beau intercepté du centre, lance en fond de la zone des Kings. 9 minutes 34 avant les vraies célébrations. Voici Daigneau. Daigneau, une passe qui va jusqu'à Keane. Keane en zone adverse, rattrapé par Donnelly. Il perd la rondelle, mais McSorley reprend, tente une passe qui est interceptée et perdue et reprise par McSorley. Voilà Donnelly jusqu'à Corey Millen. Millen applique les freins. Millen à la ligne bleue. Un tir de Hurley bloqué par Roy. Un tir puissant. Un arrêt important pour Roy. Là, c'est Danfous qui lobe le disque par-dessus tout le monde. La rondelle glisse jusqu'à l'autre bout et ce sera refusé aux Canadiens de Montréal. Il mène 3 à 1 sur Los Angeles. Voilà Bruce McCall qui voudrait bien revenir à Los Angeles avec ses Worldies. C'est le propriétaire et président de l'équipe pour forcer un sixième match. Donc, 10 minutes et 57 écoulées. Ces hommes n'ont que 4 tirs seulement. Alors, ça donne une idée du contrôle et de la façon dont le Canadien ferme le jeu. Alors, on va revoir cette séquence. C'est un long tir en présence de la ligne bleue. Il y avait danger, mais le retour bien intercepté, bien emparé par Vincent Danfous. On est plus nerveux chez le Canadien. Serge Savard et André Boudrillard. Savard, le directeur gérant. 3-1, ça paraît close, l'avance, ça paraît insurmontable, mais un but rapide avec 9 minutes et 3 et tout est possible par la suite. Los Angeles Canadien avait pris les devants 3-0. Et McNall sait que son équipe peut revenir de l'arrière. Avec Alan Pick qui porte un veston blanc, le comédien canadien qui fait carrière en Californie et qui excelle là-bas d'ailleurs. On prend à la gauche du filet de Patrick Roy. Carson devant Muller, Gagan pose pour Gilbert Dionne qui sort le disque de chez lui. La rondelle est prise par McSorley dans sa zone. Devant Di Pietro fait une passe jusqu'à Granato. Granato entre en zone adverse avec Carson. Le tir, oh, ça a été bloqué par Roy, un tir qui n'était pas commode. Et Roy l'immobilise ensuite. Roy bien concentré, Claude. On n'a même pas vu ce qui s'est passé autour de lui par la suite. 63 buts en saison régulière. Il a battu le record de Steve Shutt. Surveille-le au départ des Desjardins après l'arrêt de jeu. Et surveille la concentration de Roy sur le retour avec la tête bien basse. Lui, il contrôlait le disque. Il fait le vide autour de oui, lui. Oui. Hein. Voici Kirk Muller. Bataille. Travail d'arrache-pied, reprend la rondelle, qui a volé un moment dans les airs, il la pousse en zone neutre. C'est Blake qui la renvoie chez le Canadien. Desjardins est là, attire Robitaille encore, qui demande échec avec le bâton haut. Là, c'est recouvré par Blake du centre, il renvoie le Canadien dans son territoire. Desjardins, premier rendu derrière le but, il ressort aussitôt. Desjardins attire Robitaille, déjoue Granato, se démarque, franchit la ligne rouge et lance derrière le but adverse. La rondelle est prise par Di Pietro, il a essayé de faire du moins, mais il n'a pas réussi. Là, c'est Lehman qui n'a pu récupérer. Jitnik en profite pour passer à Granato. Mauvaise réception de passe. Là, c'est Blake qui lance sur réception le tir qui rate la cible. La rondelle bondit devant le but. Robitaille qui passe à Granato. Mais mauvais dribblage. Et c'est Di Pietro qui récupère. Di Pietro qui défend à 2 contre 1 avec Dionne devant Blake.
Dionne. Romain DiPietro, le tir et le but! Quelle réaction de DiPietro! Son huitième et son deuxième de la soirée. Le jeu à deux à l'entrée de zone. La passe bien exécutée par Dionne après une belle feinte devant le défenseur de le faire toucher. Et le tir est parfait, un lancé par supérieur comme il l'avait fait pour son premier. Blake était complètement en tête pour le défenseur. Oui. 12 minutes et 6 secondes. Tout de suite arrêt de jeu de signaler parce que il y a eu un dégagement refusé, je pense, ou une passe qui a franchi deux autres. Alors, Lyle O'Brien et Gilbert Dionne ont dimension d'assistance à 12 minutes et 6 secondes. On va revoir le joueur croisé et la petite feinte pour faire coucher Blake, ce qui libère totalement DiPietro, Claude. Un beau jeu de la part de Dionne, a baissé l'épaule pour la feinte au filet, ce qui force Blake à se coucher et la passe est précise pour DiPietro. Deux buts pareils pour DiPietro du côté de la mitaine dans les deux cas, partie supérieure, lucarne gauche. Voici Mick Sorley. De loin, il lance derrière le filet de Roy. C'est 4 à 1 pour le Canadien. Les Kings font face à l'élimination. La foule qui se met déjà à chanter le Nana Hey Hey Goodbye, mais attention, ça pourrait jouer de très vilains tours. Sandstrom lance de loin. On sait que déjà, Demers a demandé à la foule de Ster de ne pas interpréter trop tôt la chanson. Voici Carbonneau, à tir Couli. Carbonneau, soulevé par les spectateurs qui crient Guy, Guy, Guy. Carbonneau toujours, à tir Honey. Lance par derrière le but sur le flanc opposé, mais c'est l'autre capitaine qui va intercepter Wayne Gretzky. 7 minutes à jouer dans la période. Voici Couli. Une passe qui va jusqu'à Gretzky. Gretzky remet dans l'enclave, mais interception de Kurt Muller. Il soulève le disque pour John Leclerc. Leclerc plus loin, aux prises avec Sidor. Il tombe, fait tomber Sidor et c'est Hardy qui repart avec une passe pour Sandstrom. Vers Gretzky, s'est perdu, recouvré par Kurt Muller. À nouveau pour Leclerc. Leclerc devant Sidor, il passe à Muller, mais un peu trop loin pour faire le ricochet. Le jeu était parfait. Voilà Leclerc encore. Une passe pour Kurt Muller derrière le but, dans le coin. Là, c'est Bellows aux prises avec Sandstrom. Remet devant pour Leclerc. Il est fort. Il récupère en tombant. Il avait Hardy sur son dos. Voilà Gretzky. Wayne Gretzky au centre, du côté gauche. En chez le Canadien. Avec Conacher, la passe arrière. Le tir qui a été bloqué par O'Brien. On est qui revient à Leclerc. Tout sourit au Canadien. Leclerc plaqué par Donnelly qui en tombe. Leclerc est solide, en pleine possession de ses moyens et continue son excellent travail. 6 minutes maintenant à la période. Un tir de loin qui tombe à la gauche du filet de Roy. C'est rabattu jusqu'à la ligne 2, pris par Lebeau. Lebeau avec Keane, flanc droit. Lebeau lance dans le fond de la zone. Keane veut se profiler, c'est Rudy qui récupère derrière son but. Dégagement annulé par Lebeau. Refile la rondelle à Danfous dans l'arrière du but. Danfous toujours, contourne le filet, revient devant, mais aucun de ses ennemis n'a pu se démarquer pour lancer vers le filet. 4 à 1, Canadien, 5 minutes 35 à jouer. Là, c'est repris par Brisebois. Un tir bloqué par Rudy, un tir à trajectoire tombante qui n'était pas commode comme lancé là. Rondelle libre, voilà Corey Millen. Il lance pour Conacher. Conacher. Une passe interceptée par Danfous dans ce repli. Canadien joue très bien, Gilles. Tout lui sourit, les passes sont interceptées avec une facilité inouïe. Un lancé ici qui rate la cible, celui de Blake, défié par celui de DiPietro, défié par Blake. Là, c'est DiPietro qui barre la route à l'opposant, remet à Dufresne. Dufresne qui lance en fond de la zone, c'est Blake qui intervient. Blake fait une passe qui va jusqu'à Corey Millen. Millen lance dans la droite du but de Roy. C'est Desjardins qui est premier en vue à tir Granato. Il perd la rondelle à Robitaille. Mise en échec aussitôt par Lehman. Là, c'est repris par Mick Sorley. Il pivote, tire vers le but. Lehman intercepte. Repère Dionne. Voilà un autre 2 contre 1. Dionne DiPietro avec Charlie Honey. Pour repris de Mick Sorley. Pour Dionne, mais il n'a pu toucher la rondelle. Le gardien est venu le gêner avec une glissade dans latéral.
Dégagement qui est refusé aux Canadiens, ou plutôt aux Kings, et Roy fait signe à Holland de prendre bien son temps pour écouler le temps. Voilà, le Père Noël était de la partie. Il avait promis une Coupe Stanley aux Canadiens pour Noël. Il a tenu sa promesse. Il est venu lui-même pour célébrer. Mais attention, Père Noël, les cadeaux peuvent coûter cher. Et célébrer tout de suite en dégustant le Harfang des Neiges, un vin rouge ou blanc, un vin au goût des Québécois. Pendant qu'on peut mettre le champagne sur la glace, probablement dans le vestiaire du Canadien. Et restez avec nous si jamais le match se termine ce soir en faveur du Canadien, qu'il gagnera la Coupe Stanley pour la première fois depuis 79 devant ses partisans. Ben, on aura des entrevues à vous présenter dans le vestiaire du Canadien. On remettra aussi le trophée Conn Smythe, on va surveiller ça de près. Le jeu reprend, voici Mike Sorley qui récupère la rondelle. Une passe qui va jusqu'à Charlie Huddy. Une autre qui ne trouve pas preneur, interception de Donald Dufresne. Dufresne maintenant qui lance vers le centre pour Brunet. Brunet qui, malgré le plaquage de Tkachuk, a pu lancer au but. C'est pris derrière le filet par Mark Hardy. Une passe pour Gary Tkachuk. Il perd. C'est Kurt Muller qui reprend et lance dans le fond de la zone. Là où Coury est forcé de se replier. Leclerc le rejoint, mais il est rejoint par Hardy à son tour, ce qui fait que Coury peut faire une passe à Charlie Hardy. Voilà Schneider, l'homme qui est pris par Leclerc. Leclerc passe ensuite à Bellows. Il perd le contrôle du disque qui est rabattu par Sedor jusqu'en zone neutre. Et de là, poussé par Schneider chez les Kings. 3 minutes et 8 secondes. Voici Schneider. Qui aurait cru que le Canadien se rendrait l'homme de club et même il y a 2 ou 3 mois, à 1 mois des séries éliminatoires. Ça paraît deux défaites contre les Nordiques. Ben oui. Même les Kings, il n'y a pas grand monde qui les voyait là. Tout le monde s'attendait à ce que les Penguins de Pittsburgh soient en finale pour défendre leur titre et gagner une troisième Coupe Stanley d'affilée. 2 minutes et 40 secondes encore. Voici Schneider. Schneider est arrêté par Sandstrom. Sandstrom tente de soulever la rondelle. Elle est prise au vol par Lebeau qui lance au but de Rudy. Ça devient un 30e tir au but du Canadien. On en affiche 29 pour le moment. Voici une passe prise par Luc Robitaille. Robitaille du côté gauche. Une passe qui va jusqu'à Jitnik. Arrêté par Keane. Il lance derrière le filet de Roy qui cède la rondelle à Brisebois maintenant à Keane. Keane a repéré Di Pietro. Le voici en zone adverse. Di Pietro lance devant Blake, mais c'est Blake qui a fait défier hors cible. Diane a repris, ou plutôt Brisebois, pour repousser le disque plus loin. 2 minutes et 1 seconde. On va retirer le gardien à la moindre occasion. Une rondelle lancée de loin. Elle rate la cible. C'est Brisebois qui reprend. Brisebois par la rampe. Tente un dégagement ou une passe pour Keane. C'est fait. Keane dégage jusqu'à l'autre extrémité. Et c'est Rudy qui récupère. La pause s'amène la partie. Il reste 1 minute 45. Tout le monde est debout. Voici Carbonneau. Carbonneau dans le coin. Carbonneau toujours. Rattrapé par Jitnik, il le met en échec. Carbonneau tombe, gagne du temps précieux derrière le but. Jitnik repart avec la rondelle. 1 minute et 30 secondes encore avant la Coupe Stanley. La 24e du Canadien. Voici Granato. Une passe pour Carson, mais la rondelle a volé dans les airs, a touché Donald Dufresne qui n'a plus de casque. Et il sort le disque de chez lui en mettant Brunet. Il perd avec Sorley. Là, c'est recouvré par Robitaille. Robitaille maintenant. Se fait barrer la route par Gary Lehman et c'est finalement Dufresne qui lance à l'autre extrémité. C'est un dégagement qui sera refusé aux Canadiens avec 1 minute et 5 secondes à jouer encore cette saison. Performance exceptionnelle, Claude, surtout en troisième période. Lorsqu'on peut tenir les Kings qui veulent revenir de l'arrière à 5 lancers seulement et quelques lancers de très très loin. On a posé une question dans les cadres de 100 ans de passion de la Brasserie Molson de 42 à 67. Montréal, Toronto et Détroit remportent 24 des 25 coupes. Quelle équipe a remporté l'autre Coupe Stanley? La réponse, les Blackhawks de Chicago en 1961. Le ou la gagnante, M. Frank Kelly de Laval. Félicitations. Vous méritez un mini billet de saison de 5 matchs pour les Canadiens ou les Nordiques la saison prochaine. Voilà le président Corée, très heureux de la tournure des événements, beaucoup moins nerveux, plus relax, plus détendu, plus à l'aise. Et pour Jacques Demers, à sa première année derrière la barre du Canadien, il vient chercher une Coupe Stanley. Il devient un entraîneur recru. Gilles réussit l'exploit, comme l'avait fait Jean Perron auparavant, en 86, lors de la dernière conquête du trophée par le Canadien. Dernière minute à jouer dans la finale. Voici Marty McSorley. La foule est debout.
Sassoli, un tir de loin qui est bloqué par le capitaine Carbonneau. Et c'est Bellows qui accidentellement lance chez les spectateurs. Carbonneau s'est fait mal à la main gauche. Pas apprécier le geste de Mike Sorley. Non. Qui a lancé dans sa direction, un lancé très haut. Et à 46 secondes, Gilles, des festivités. Je pense qu'on peut oublier la douleur et la haine. 4-1 Canadien. Qui l'emporte par une marge d'au-delà d'un but pour une fois. Canadien, 12 de ses 15 victoires, Claude, en série. Gilles, la Coupe Stanley est prête. Par la marge d'un but. 12 de ses 15 victoires par la marge d'un but avant celle de ce soir. On apportera le précieux trophée maintenant sur la patinoire, du moins dans un moment, à 46 secondes et 6 dixièmes. Et qui va gagner le trophée? Connie Smythe. Patrick Roy, bonne chance. Déjà, il y a des joueurs debout au banc du Canadien. Sur le banc, il y a Keane qui est debout. Tout le monde est là. Dionne, le président Corée. Pendant ce temps, ben Muller et Leclerc gagnent les dernières secondes. Une passe arrière qui ne trouve pas preneur. Reichel a fait tomber Leclerc. C'est la contre-attaque du grand Wayne Gretzky. Voilà Hardy, un tir de loin qui rate le filet. 17 secondes maintenant. C'est chose certaine. Le Canadien qui remporte sa 24e Coupe Stanley de son histoire. Et c'est l'équipe qui a gagné le plus de championnats dans le monde du sport. Toute discipline comprise. C'est terminé. Victoire du Canadien de Montréal qui élimine les Kings en 4 victoires contre 1 défaite. Et Denis Savard maintenant, l'homme le plus heureux du monde avec Roberge. Et tous les réservistes qui sautent sur la patinoire rejoignent ceux qui ont transporté le flambeau bien haut ce soir, Gilles, cédé par des bras meurtris. Demers avait promis la meilleure rencontre de la série, Claude, pour sa formation. Oui, ce fut sa meilleure. Et une belle accolade de Melrose et Demers, qui est rejoint par Charlie Huddy et tout l'état-major des Kings qui vient féliciter Jacques Demers. Carson aussi, qui est un bon ami de Demers. Melrose maintenant qui s'en va à son tour au vestiaire de l'équipe. Fort déçu, bien sûr, de la tournure des événements. Voilà les poignées de main traditionnelles qui sont en zone du Canadien. Lorsqu'on parlait des fantômes, on nous l'a montré en gros plan. Patrick Leroy était le fantôme des séries. Claude, Gilles Demers, exceptionnel. Demers a demandé le bâton de Wayne Gretzky en souvenir. Le bâton d'aluminium, on peut le reconnaître. Voilà, Demers qui va aller porter le bâton au vestiaire, demandant au préposé de le garder précieusement. Le chanceux. En voilà les bonhommes qui retournent déçus à leur vestiaire, bien sûr, toute l'équipe des Kings. Pendant qu'on aperçoit Roy, à qui on va peut-être remettre le trophée Connie Smythe du joueur le plus utile à son équipe. Carbonneau, le capitaine, qui pense peut-être être échangé ou repêché lors du repêchage de l'expansion prochainement. On voit Luc Robitaille, Claude, ici. Qui est venu bien près de gagner une Coupe Stanley, Gilles, qui est rendu en finale, qui reçoit les félicitations de Roy maintenant. Et Carbonneau, deux bons amis. C'est de voir les préposés à l'équipement, Gilles, qui ramasse tous les bâtons. Voilà Denis Savard qui est porté en triomphe sur les épaules de ses coéquipiers. Et qui tombe dans les bras de Vincent Danfousse et Brisebois maintenant. On parle de joueur qui a bien vendu le hockey, Claude, aux États-Unis. Denis Savard est un des... Ah oui. Avec Chicago. Des joueurs qu'il a fait. Le hockey lui doit bien une Coupe Stanley. Il la mérite bien. Je me souviens qu'en début de série finale, tu avais parlé de... lors de la blessure de Savard, de cette chose-là. Tu avais dit, j'aimerais que le hockey lui remercie, lui rend hommage. Lui rend ce qu'il a donné. Et après tant de saisons dans la Ligue nationale, il mérite sûrement ce beau trophée. Des visages sont venus transformer cette formation, Claude. Joya Delauze, également Vincent Danfousse. Le trophée amené au centre de la patinoire par Henri Richard, Billy Smith et puis Bernard Parent, qui sont les trois parrains d'honneur de ce centenaire. Jean Pagé a des invités avec lui. Jean. Merci, Claude et Gilles, avec Stéphane Lebeau et Benoît Brunet. Deux gars heureux, Stéphane. Ton premier commentaire, qu'est-ce que c'est? Moment incroyable. J'ai rêvé à ça toute ma jeunesse et je le vis présentement. Je peux dire que le prix a été cher, par contre. On est très satisfaits et très heureux. Vous avez joué un match ce soir impeccable.
remarquable, Stéphane. Est-ce que vous étiez nerveux? Est-ce que vous avez craint un peu ce match-là? On était très nerveux. Il n'y a pas grand joueur qui a dormi hier soir et cet après-midi. On ne voulait vraiment pas retourner à Los Angeles et puis on a joué un match parfait. Ben, Stéphane, félicitations encore une fois. Benoît, yeah. Benoît, un commentaire de ta part. C'est formidable. Comme Stéphane l'a dit, c'est une affaire qu'on regarde depuis qu'on est jeune. On est là aujourd'hui. J'ai de la misère à croire encore. Je pense que ouais, je me pince pour une couple de jours pour le savoir. Et on va aller à la remise du trophée Conn Smythe. Et vous savez probablement qui? Claude. Alors écoutons l'annonceur maison. Pour faire la remise du trophée, accueillons le commissaire de la Ligue nationale de hockey, M. Gary Bettman. National Hockey League Commissioner Gary Bettman will now present the Conn Smythe Trophy. Le gagnant du trophée Conn Smythe du Canadien de Montréal, Patrick Roy. Quel honneur! C'est lui qui, après les deux premières défaites contre les Nordiques, s'est levé debout dans le vestiaire et a dit, messieurs, je prends les choses en main. Encourager son équipe et après coup, 11 victoires d'affilée, Gilles. Avec gagné son premier en 86, alors qu'il était gardien de but reclus. Bernard Parent le fait, puis en 74-75, avec les deux Coupes Stanley, des Flyers de Philadelphie. Deux Coupes Stanley pour Roy, deux Conn Smythe. Et maintenant, on va présentation la Coupe Stanley. Félicitations aux Canadiens du Montréal, Stanley, à de la Coupe Stanley. On the 100th anniversary of the Stanley Cup, it is only fitting that it goes to the Montreal Canadiens for the 24th time. Congratulations to the players, to Rod Corey, to Serge Savard, to Jacques Demers. Guy Carbonneau, captain, please come and take the Stanley Cup. Quelle fin de saison, Claude, pour cette formation. 16 victoires en série, 4 défaites seulement. 6 victoires à l'extérieur, les 6 gagnés en prolongation. Denis Savard qui embrasse cette fameuse Coupe Stanley. Les amateurs l'avaient vu en 89 lorsqu'on l'avait présenté ici au Forum et aux Flames de Calgary. C'est vrai, on s'en souvient. Savard qui est transporté par Keane et Ronan, ou plutôt Di Pietro et Ronan. Desjardins à son tour, Bellows maintenant. Tout le monde la porte à bout de bras. Gilles, je pense à Serge Savard et ses échanges qui ont porté fruit cette année. Voilà John Leclerc à son tour. Les Patrick Roy maintenant. Le grand leader. Voilà Serge Savard, deuxième Coupe Stanley en tant que directeur gérant avec Jacques Lemaire qui est tout prêt. Tout l'état-major est là et on a déjà le t-shirt noir pour parler français, le Gaminet, qui dit que le Canadien est le champion de la Coupe Stanley 1994. 24e Coupe Stanley au centenaire de la Coupe. Denis Savard qui était transporté cette fois par Pierre-Rose. Jean Leclerc qui mérite de la porter à bout de bras. Il mérite bien. Qui s'est affirmé comme un des leaders de la formation. Roden qui a fait du travail excellent, même s'il joue un rôle plutôt effacé. Et ça pleure, je vous le jure. Savard est consolé par Brunet. On a vu rapidement le jeune Di Pietro. Voilà Savard dans les bras de Jacques Demers. Qui a été un père pour tous les joueurs. Ils ont été de bons fils aussi, faut le dire. L'évaluation qu'on a dû faire de cette formation en deuxième moitié de saison n'était pas la même qu'en début, Claude, avec les transformations,
des nouveaux joueurs qui se sont joints et la grande vedette, Patrick Roy et Carbonneau. Carbonneau, fin de saison remarquable. Lui qui a connu toutes sortes de difficultés avec ses blessures, ennuyé par un malaise au genou. Il y aura probablement de l'arthroscopie ou une opération après la saison. Alors la photo de groupe